Re tout le monde, c'est bon, on est là. Est-ce qu'on a la chute, ça commence. Ça fait bizarre de le voir aussi tard ce générique. Bah oui, bah écoute, si j'avais pas été retardé par des retards justement. Bon bah voilà, hein, on va enfin commencer. Alors j'avoue que c'est un petit peu un blessing in disguise d'avoir eu cette Gamescom. Parce que je sais pas si j'aurais pu, bah ça se dit pas normalement. Bref, ça aurait peut-être pas été possible, on va dire comme ça, ça aurait peut-être pas été possible de faire toute une soirée sur Fallout 2 pour une problématique bien simple. C'est-à-dire qu'en fait, mon build, tel que je l'ai sur le jeu, il est un peu infaisable. C'est-à-dire que il y a de fortes possibilités pour que je ne puisse pas continuer très très loin encore dans le jeu. Tout simplement parce que mon build est complètement pété et que le jeu il permet pas forcément ça, mais je vais vous l'expliquer plus en détail. Tiens, bim, tu vas fermer ta gueule et puis on va lancer le jeu direct. Attends, y a pas de musique dans le menu principal, ok. Spider Netflix n'est pas viable, non, exactement. Exactement, Spider Netflix n'est pas viable, bim. Ce petit... Oh. J'ai envie de le laisser encore. Putain, j'adore. Ils sont où les sourds PLS là? Ah, quand il y a du. Quand il y a du. Comment. Skrillex, là ça danse, hein. Mais pas quand il y a du bon vieux. Mais il fait de la trompette. Bordel. Et dans quel Fallout la chanson raciste? Et dans Fallout 3. Bingo, bingo, bango, I'm so happy in the jungle. Alors, je vais vous montrer vite fait de quoi je parle. Alors. Bref, voilà notre bon Spider Netflix. Il est toujours magnifique. Il n'y a aucun son. Il y a quasiment aucun son. C'est bare bones un petit peu. Alors bougez pas, faut juste que je change encore un truc. Je suis désolé, c'est un petit peu la panique. En fait, j'ai pas trop eu le temps de préparer mon bordel. Voilà, faut pas trop que ça dépasse. Hop, regarde, tac. Voilà, là on est impeccable. Ouh là, on est bien là. Oh ouais. Ouh. Ok, donc oui. Donc, Spider Netflix est con. je pense que c'est évident, Spider Netflix est con, il a 10 en force, 4 en perception, il a 1 en intelligence. C'est-à-dire qu'en gros, 1 en intelligence, je gagne que dalle de points de compétence et d'XP quand je fais des combats et quand je fais des quêtes. Parce que c'est lié à l'intelligence que tu gagnes. Donc le jeu va être très très dur. Et il aurait pu être moins dur si j'avais spécialisé mon personnage dans tout ce qui est... j'ai un petit peu de spécialité arme légère, mais c'est pas suffisant. Il aurait fallu que je spécialise complètement pour que ce soit viable entièrement, parce que là, les combats vont devenir de plus en plus durs et moi, je vais avoir de moins en moins d'XP pour pouvoir les finir. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, il y a, allez, bien 60-70% des quêtes qui partent parce que je ne peux pas parler au PNJ. Je vous rappelle que Spider Netflix, il grogne. Ou alors les gens l'envoient carrément chier. Et ça, c'est un gros problème parce que du coup, ça veut dire que y a plein de NPC qui peuvent pas me parler ni m'envoyer les quêtes. Et normalement, là, après Clamath, après le visage de Clamath, le visage... Je commence vraiment à péter un plomb. Après le village de Clamath où je suis, on est censé aller au Den. Et le Den, c'est normalement un NPC qui nous dit où il est. Le problème, c'est que quand on parle au NPC, ils nous envoient tous littéralement chier parce qu'on est un gros teubé. Ça te sert à quoi d'avoir 20% en discours si t'es con? Mais je crois que les 20% en discours, c'est genre de base. Attends, parce qu'il va falloir quand même que je les fasse un jour, ça. Attends, tu risques beaucoup moins de te faire mettre à terre dans un combat, très bien. Cette aptitude te fait aussitôt gagner un niveau d'expérience. Ah, peut-être que je le fasse, ça, non? Tu as pris un mieux rangé ton équipement, là, c'est d'inventaire, nanana, et voleur. Je sais pas ce qu'il faut mieux que je fous. De toute façon, je pense que notre run, il est pété, de toute façon. C'est con, on va faire ça, histoire d'être tranquille. Tac, on va augmenter encore armes légères, histoire d'être vraiment, vraiment large. Vas-y, ouais, mais 79%, ouais. Parce qu'il va falloir qu'on se respecte très, très vite, en fait. Mais ce truc qui t'envoie, c'est soit des cacahuètes, soit des pierres. Mais oui. Et en gros, pour tester un petit peu cette théorie, j'ai essayé d'aller voir les personnages, tu vois, en ville, qui peuvent te filer des indications sur la suite de l'aventure. Ils m'ont tous envoyé chier. Allez hop, ta gueule. Ok. Bon, ça va. Je fais déjà quelques dégâts avec le pistolet 10mm. Et on a Sully avec nous. Donc on va essayer de pousser quand même, pour être sûr. Mais je fais de moins en moins de... Genre j'ai de moins en moins de pourcentage, c'est-à-dire que je crois que le flingue il va me péter dans la main en fait à un moment. Enfin peut-être que je m'assure qu'il est pas en train d'exploser.
Parce que ça se trouve, on va avoir une petite surprise, mon vieux. Je te dis qu'elle va pas nous faire rire, celle-là. Ça va pas être Interville. Hein. Est-ce que je peux avancer pour un? Non, je peux pas. Ok. Bon, on va essayer quand même, c'est pas grave. Regarde, notre... De toute façon, j'ai confiance en notre Spider Netflix. Oh là là, le jeu est en train de cracher chez moi. Ok, ok, tout va bien. Le jeu est toujours aussi stable, hein, donc vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Regarde, tac. Il a rien sur lui, très bien. J'ai n'importe quoi encore dans mon inventaire, c'est cool. Donc en gros, pour avoir une idée le plus rapidement possible d'où on doit aller, faut aller parler à Jenny. Et Jenny, elle est chez les putes. Donc on va aller chez les putes. Ça vous dit, on va voir une pute? Allez mec, allez mec. Il y a des tétés. Il y a des tétés, mais on les voit pas forcément, mais il y a quand même des tétés, quoi. Il y a des tétés théoriques. Il y a des tétés théoriques. Déjà, là, déjà, on voit des tétés, là. Tu vois, poster de jeune femme. Tu aimes les enfants... Quoi? Quand je serai grand, je veux être comme toi. Quand j'aurai ton âge, je veux voyager dans le monde entier. Qui t'a mis ces drôles d'habits? Maman m'a dit que t'étais un être primitif. Est-ce que ta tribu mange toujours des gens? Mon chien adore la viande séchée. Quand j'aurai ton âge, je veux voyager. Ouais. Si tu ne sens pas si mauvais que ça. Qui veut jouer au papa et à la... Il y a les flics qui arrivent. Si jamais ils arrivent avant que je puisse le faire, s'il vous plaît, venez chez moi cramer tout, d'accord? Il faut tout cramer, il faut pas laisser une seule empreinte, d'accord? Faut tout cramer. Il y a des trucs qui vont pas dans Fallout 2, poteau, mon royaume, il est pété. Allez, on va essayer de parler à elle. Salut, je m'appelle Sally Dunton. Eh ben, c'était pas mal pour un débile, mais j'aime pas les spécimens de ton genre. Maintenant, 10 balais. Psst, psst. Ok, très bien, est-ce qu'on peut essayer autre chose? Je m'appelle Sally Denton. Je sais que tu es un tribal et tout, mais ici ce sont les bains douches, pas les cabinets. Fiche le camp avant que je te mette dehors. Très bien. Hein? Et ben pour un débile. Ok, d'accord. Donc ça c'est pas Sally, ça c'est la connasse. Je crois que c'est. Non, Jenny. Jenny, c'est. Hello, Jenny! Tu m'as l'air un peu déboussolé, je m'appelle Jenny, je peux t'aider. Et en gros, elle est censée nous dire, ouais, Vic, il est au den, machin, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, les seules réponses qu'on a, c'est, ni. Ou alors, on a, ouais, Spider Netflix, Sony Nani. Ou maman. Hello, Jenny. Allez, maman. Tu devrais te déguerpir avant que Sally la fouine te trouve. Elle n'aime pas trouver des jobards dans son établissement. Ça se trouve, on peut peut-être lui parler après qu'on ait payé pour des putes. Attends, on a combien de thunes? On a combien de thunes? On a 100 balles. Ah ouais, je crois que ça va être un petit peu cher. Bouge pas, je vais faire une save, comme ça on sera sûr. La save s'appelle toujours Spider et PD d'ailleurs. C'est très important. Très important. Ah mais non, je peux pas. Mais non, je peux pas du coup. Je peux pas payer pour une pute. Elle me remballe à chaque fois. Oh merde, putain. Comment on va faire, poteau? Mais je pense qu'en fait, il va falloir juste que j'aille... Le pauvre. Faut juste que j'aille au den sans rien utiliser. Il faut aussi que je trouve un yinch. Je crois que le yinch, il s'est barré définitivement en plus. Enfin, c'est vraiment la merde, en fait. C'est vraiment la save. La save, elle est vraiment, vraiment merdique. Mon perso, il est pas viable. Et en gros, ouais, il y a que quelques quêtes que je peux faire... Je vais avoir que dalle d'XP, etc. Alors maintenant, par contre, il y a un mec sur le chat qui était venu la dernière fois qui m'a donné un super pouvoir, c'est-à-dire appuyer sur Mage pour voir les éléments dans le décor. Et ça, c'est ouf, regarde ça là. Par exemple, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je veux voir. C'est au Golden Gecko. Tu l'as, Hans, calme-toi. On va pas buter tout le monde. Comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire un jeu? Mais laisse-moi tranquille. J'ai un caillou brillant. Vas-y, un caillou brillant. T'as un caillou brillant, toi? Moi, bon, caillou brillant, toi. Allez, fais-moi ton caillou brillant. Fais-moi. Moi, ton caillou, ouais, fais-moi tes cailloux, là. Voilà. Oh, c'est cool, les cailloux. Mec, il a aucune race, quoi. Le pied des cailloux à un gosse qui a déjà pas assez pour bouffer. Alors, attends, est-ce que je peux piquer des trucs dans sa bibliothèque, là? Ça se trouve, bien en fouillant la ville, on peut peut-être avoir des... On va essayer de l'ouvrir, ça. Ça, c'est fermé. On a que d'un encrochetage. C'est vraiment genre notre personnage est vraiment en fait daubé du yonf. Mais c'est pitoyable, quoi. Lui, on peut lui parler à lui? Méfie-toi des geckos qui changent de couleur. Ouais, ça on s'en fout. Normalement, il y a un je l'ai buté, le chien, ou quoi? Est-ce que vous vous souvenez si j'ai tué un chien? Il me semblerait pas. Je m'en rappellerai quand même de tuer un chien. C'est quand même... Ne pars pas. Mais arrête de me suivre, gamin. Mais il est con, quoi.
Je peux lui mettre des tartes. Attends, on va voir si je peux lui mettre des claques. Peut-être que ça se trouve, je peux lui foutre une claquette et puis il va me laisser tranquille. Non, mais je crois pas que les gamins puissent les buter ici. Attends, fais voir. Comment on fait déjà pour commencer un combat? Bah, je peux juste faire ça. Et non, gamin. Eh bah, écoute. Oh la merde, mon jeu il a craché, poteau. Mon jeu il a craché, je crois. Mon jeu répond plus. Allô? Si, c'est bon. Ouf. Ok, est-ce que je peux fouiller le gamin? Oh, il a encore des cailloux, putain, il me les avait cachés tout à l'heure. Vas-y, on se casse. Merde, y'a tout le monde qui veut me péter la gueule. Non. On va pas commencer. Là, c'est la merde. Tu as des enfants. Quel âge as-tu? Mais casse-toi. Mais c'est pas possible. Putain, mais j'ai pas envie d'être ami avec un autiste. J'en ai déjà 7 dans mon équipe. Ça va, je peux faire collection non plus. Normalement, ici, en fait, y'a un truc important à récupérer. Pareil, pour la suite de l'histoire, le problème, c'est que personne peut me le filer parce que tout le monde refuse de me parler, en fait, en quelque sorte. Y'avait un chien, il est plus là. Vraiment, c'est une catastrophe, en fait. Cette partie est une catastrophe. Donc, je pense que la prochaine fois qu'on joue à Fallout 2, déjà, je pense que je ferai un petit peu de Fallout 1. En transition avec une autre partie de Fallout 2, et on refera un personnage, et un personnage viable cette fois-ci. Je prendrai un bon build qui pourrait nous emmener loin, et ce sera bien, ce sera beaucoup plus agréable. Ruru, le chien, tu l'as mangé? Mais non, mais je m'en souviendrai, mec. Ou alors c'était dans un de mes épisodes psychotiques, un petit peu comme dans le jeu qui a défini toute une génération, Heavy Rain. Comment vas-tu? Elle, déjà, elle me parle. C'est déjà pas mal. Est-ce que je peux parler à quelqu'un d'autre? Non, je crois que tout le monde m'envoie chier. Et je crois que la seule personne qui aurait pu me donner des indications sur là où je peux aller, c'est Thor, l'espèce de gros handicapé avec qui on a parlé la dernière fois, là. Mais le problème, c'est que Thor, je crois qu'il me parle plus. Genre, enfin, il a disparu, Thor, il a disparu. Et donc, mais je me suis vraiment, genre, je me suis cuck. Je me suis cuck tout seul. Fun fact, parce que tu pouvais buter les enfants, Black Isle a dû enlever tous les enfants du jeu pour la version américaine. Donc au lieu d'empêcher les gens de buter les enfants, ils ont préféré les enlever de la version américaine parce qu'ils savaient que c'était quand même un peuple qui aime le crime. I'm afraid of Americans. Je vous rappelle que c'est... Comment il s'appelle celui qui a chanté Starman, qui est mort il y a pas longtemps. Bowie. C'est Bowie qui chantait ça. I'm afraid of Americans. Attends, faut que je règle un truc dans mon inventaire. Comment il est, mon flingue? Est-ce qu'il est... Y a pas de... Comment on appelle ça? De résistance? Y a pas de jauge de... Tu vois ce que je veux dire? Comment on appelle ça? D'usage? D'usité? Y a de l'usité ou pas? Parce que s'il y a de l'usité, c'est la merde. Je sais pas. J'arrive pas à me rendre compte. Arcana, toi t'as l'air de savoir des trucs, toi. Bon, on verra plus tard. Pour l'instant, on va lui tirer dans la gueule. Tac, 36% mon gars. Allez, viens, Sulik. J'ai confiance en toi, Sulik. 30, loupé. Merde. Durabilité, c'est ça, Hades. Mais te la pète pas trop non plus avec ton vocabulaire. Je te sens là, t'es pas... Merci, maître capé merde. Grand-père, esprit des eaux, nous dire que quoi tu es. Par contre, te fous pas juste derrière parce que je vais te foutre une cartouche, poteau. Hein. Non, c'est bon. Ça va. Je suis Jim West. Desperado. Rough Rider. No, you know, won't matter. Il est pas là, Thor? Attends, parce qu'il faudrait que je le retrouve. Parce que Thor, c'est littéralement le seul mec à qui on peut parler, en vrai. Et qui va pas nous envoyer chier. Mec, il y a des geckos partout. Et c'est des geckos dorés, en plus. Non, c'est même pas là. Hein. In the Fallout 1 version of the game, released outside the US, including the girl, the children were removed to avoid the controversy about child killing. However, the children can still be killed with explosives that only the sprite were removed. Ah, d'accord, ok. Donc en fait, ils ont viré les sprites, ils les ont rendus les gamins invisibles, mais tu peux toujours les éclater, en fait. C'est pas mal. Pas mal comme idée, c'est un peu du bricolage, mais j'aime bien. J'aime bien l'idée. Je peux pas... Ah oui, c'est PA6 quand même. Tiens, tu sais quoi, je vais recharger. Bim. Impeccable. Du coup, le patch que t'as utilisé pour rendre le jeu plus stable a dû les rajouter de nouveau. D'accord, ok. Je vois. Ouais, mais oui, c'est même pas juste pour rendre le jeu plus stable, c'est un restoration project. Donc ça a remis vraiment tous les tout ce qu'ils avaient viré au développement, tout ce qu'ils ont pas pu finir, etc., etc. Ça a même rajouté des trucs
qui m'aide moi dans mon run low intelligence. C'est-à-dire que ça aurait été encore plus la merde si j'avais fait vraiment le jeu de base, tu vois ce que je veux dire? Donc là ça va, on a encore un petit peu de chance, on a une chance d'avancer un tout petit peu, mais ça va pas être fameux. C'est quoi, on va juste éclater ces geckos là. Pas cette gecko, hein. Les geckos. C'est marrant à dire, les geckos. Aïe aïe aïe. Wow. Non c'est bon, il m'a rien fait. C'est bon, il m'a rien fait, j'ai rien. Alors, bim. One, two, three. Il va à l'Algérie. Voilà, impeccable. De toute façon, tu peux pas éclater cette gecko. Bah si, avec un casse-tête. Ah bah c'est comme chez nous alors, casse-tête. Par contre, j'en ai marre de louper les 60%. D'ailleurs, récemment, donc j'ai été invité, un peu en avant-première, j'avoue, sur le serveur de playtest de Otherside, un jeu qui va sortir du studio Lightbulb Crew. Et il parlait en fait, on parlait des pourcentages comment on appelle ça, les pourcentages de tir, de toucher, tu vois, comme dans les RPG tour par tour, il y a souvent ça, il y a des pourcentages, comme dans XCOM par exemple. Et justement, le gars, il parlait de XCOM, et apparemment, il y a un article qui montre que les gars de XCOM ont clairement baisé les stats pour te pousser à prendre des risques. Donc, c'est-à-dire, quand t'as un 90% dans XCOM, il y a de fortes chances pour que ce soit pas vraiment un 90%, mais que les stats ont été enflées, justement pour que tu dises « Waouh, le 90%, je peux pas le rater, du coup, je vais tenter de tirer ». Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, les stats qu'on voit en jeu, c'est pas les vrais. Et louper des 90%, c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pas les vrais, vrais pourcentages. Est-ce que c'est pas un gros coup de sale fils de pute, ça, quelque part? C'est pour ça que tu peux miss à 99%. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu peux miss à des pourcentages qui, genre, théoriquement et mathématiquement, ça devrait passer, tu vois. Mais c'est bâtard, hein. Moi, je trouve que c'est terrible, terrible comme truc. C'est littéralement l'un des pires coups de dev de l'histoire. Oula, ouais. T'as entendu parler quand même de sport? Ça te dit quelque chose? Dans le genre coup de pute, ça se pose là aussi. Attends, est-ce que je peux lui taper dans les yeux? Tac. Ouh, 29 points de critique, poteau. Provoquant son aveuglement. Oh mec, j'ai rendu un animal aveugle. Lol. Lol. Ok, il y en a deux par contre. Il y en a deux, là c'est un petit peu chaud. Là on rigole moins. Là, on a rentré les trompettes, là. Pourquoi, il y a quoi avec sport, mec? Tu veux qu'on parle des catastrophes que sont les jeux Bethesda, tu vois? D'ailleurs, j'avais un autre truc à vous montrer, tiens, en parlant de Bethesda. Regarde, mec. Vous vous souvenez, au début, certainement plein de monde le savent. Moi, je suis certainement un des derniers à pas savoir. Vous vous souvenez du début de Fallout 3? Quand on joue un gamin? Vous voulez voir le modèle? Le modèle de nous, en troisième personne, quand on joue un gamin au début de Fallout 3. Ça, mon gars. Ça, c'est génial. C'est incroyable. C'est incroyable, poteau. Et je savais pas, je l'ai appris il y a pas longtemps, mais mec, c'est un truc de fou, quoi, c'est un truc de fou. Bref, sport, au début, quand ils ont commencé à teaser le jeu, et à faire des trailers, à faire des images de gameplay, etc., ils étaient partis, en fait, sur un genre de jeu qui serait darwinien, c'est-à-dire tu fais vraiment un Obisobar, lui. On aurait dit 10 minutes ronds. Donc tu veux vraiment partir. Mais c'était limite réaliste en fait. C'était un truc à la Max 6, mais qui ressemblait en fait beaucoup à ce qu'ils avaient fait au début des Sims. Et de, par exemple, Sim City, un truc comme ça. C'est des choses qui sont pas vraiment cartoon en fait. C'était limite réaliste. C'était très lourd. Et du coup, ils partaient sur un truc qui ressemblait beaucoup à ce qu'ils faisaient avant chez Max 6. Et je sais plus pourquoi, il y a eu des machinations encore de merde avec, je sais, peut-être les publishers, etc. Et ils ont été obligés d'amputer le jeu de 95% de son contenu, et ils avaient promis de vraiment pouvoir visiter des galaxies et implanter faire des bombes biologiques avec des maladies pour pouvoir créer des êtres pluricellulaires sur des planètes, etc. À la place, on a eu une espèce de générateur pâte à modeler, tout niqué du cul. Avec un jeu, tu te fais chier au bout de 5 minutes dessus. C'est incroyable. Il y a des phases entières de sport qui sont insupportables. Et à la base, ça devait vraiment être un truc très pointu.
très le gameplay sur l'évolution devait être ultra appuyé, etc. Personnellement, moi, sport, j'en ai pas vu beaucoup à part ce qui est sorti, donc je peux pas attester vraiment de la haine du truc. Mais quand j'ai vu les articles parus récemment, hein, qui parlent justement de toute cette débâcle, mon gars, tu te dis mais pff, on nous a servi une merde qui devait être mais 1% de ce qu'allait être réalisé à la base, quoi. Et c'est un truc de fou. Mais écoute, tu fais comme tu peux, hein. Tout n'est pas fait de rose. Tiens, c'est ouvert, ça? Yes. Il y a du loot ici. C'est quoi, ça? Des bûches. Oh, yes. Oh, j'aime bien, c'est de la nourriture. Non, Spider Netflix. C'est trop bon. Qu'est-ce que je peux en... C'est quoi? Pourquoi des bûches? Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est une bière? Oh, bibine. Yes. Ok, donc ici, c'est de la merde. Je peux rien faire d'autre. Très bien. C'était les promesses à la No Man's Sky, mais avec une déception plus violente, en gros. Exactement, exactement. Sauf que No Man's Sky, c'était beaucoup de mots. Comment il s'appelle, le connard de Hello Games, là? Todd Howard 2. Despacito Todd Howard 2, comment il s'appelait? Merde, j'ai déjà oublié son nom. Enfin, le connard, quoi. Mais je pense que pour sport, c'était encore pire. Je pense que c'était honnêtement encore pire. Les gens s'attendaient à beaucoup. Maxis avait une très bonne réputation. Ça aurait pu vraiment mener à des trucs. Sean Murray, voilà, Sean Murray. Putain, Sean Murray. Est-ce que j'ai toujours ce montage? J'avais fait les Chevaliers de l'Apocalypse à un moment. Est-ce que je l'ai toujours, le montage? Ouais, mais ça date maintenant. Putain, j'avais fait un montage cool. Avec, ouais, tous les Chevaliers de l'Apocalypse, quoi. Mais je crois que je l'ai plus. Putain, c'est dommage. Non, j'ai ça, par contre. Vous vous souvenez, cette pub pour Command & Conquer, j'ai jamais su si c'était vrai ou pas. J'étais en train de chercher mon truc et je suis tombé là-dessus. Je pense pas que ce soit un vrai truc, je sais pas pourquoi il y aurait Chirac en fait dans les previews Highscore, mais j'ai trouvé que c'était couillu et ça m'a éclaté. Attends, est-ce que je l'ai encore? Putain, j'espère que je l'ai toujours. Non, je crois que je l'ai viré. Putain, c'est dommage. Si! Voilà! Regarde-moi ça. Est-ce qu'ils sont pas beaux tous? Est-ce qu'ils sont pas beaux tous? Ça, mon gars, ça, il devrait faire un jeu, un Magic the Gathering like, juste sur eux là, juste sur eux tous là. Faudrait qu'on en fasse un poster de ça. Je l'ai appelé axe.png. Faut que j'en fasse un poster de ça, ou un t-shirt même. Franchement, j'ai toujours mal pour Will Wright, parce qu'après le fiasco de sport, il a plus voulu faire de jeu. Bah écoute, c'est-à-dire que les publishers et tout le problème marketing, ils ont réussi à tuer sa passion, et ça c'est quand même intéressant, tu vois ce que je veux dire. Bonjour, je m'appelle Ardin Buckner, et ça c'est chez moi. Dites-moi, vous n'aurez pas rencontré un trappeur nommé Souriant à l'extérieur de la ville, à elle-même? Il est parti depuis trop longtemps, je n'aurais jamais dû le laisser s'en aller vers sa quête. Souriant. Eh bien, entre Souriant et moi, c'est devenu très sérieux. Je pensais l'avoir enfin combattu de s'installer ici, de m'aider à faire tourner cette affaire. Mais il a dit qu'il devait partir vers une toute dernière quête. Eh bien, il appelait ça sa quête. Il m'a dit qu'il pensait avoir trouvé d'où les geckos dorés venaient et il voulait en avoir le cœur net. Je pensais que ça aurait pu pouvoir être une sorte de source magique, ou bien un abri ou une caverne souterraine. Eh ben, je sais plus trop ce qu'il a dit, mais il avait l'air très enthousiaste. J'aurais jamais dû le laisser partir. Il y a 2 semaines de retard par rapport à ses prévisions et moi, pendant ce temps-là, je me fais beaucoup de soucis pour lui. Moi, mais... Oh, merci, laissez-moi indiquer sur votre carte. Ah, c'est bon, on a quand même les Toxic Caves, ok. Laissez-moi indiquer sur votre carte où il avait prévu de se rendre. Je suis sûr que vous vous trouverez. Je tiens beaucoup à lui, je l'aime encore et il l'aime encore plus. Si... Nanana. Moi fort, ma confiance en moi. J'adore Spider Netflix. Toi, moi bûche. Moi vente bûche. Ça vaut rien en plus, mec. Je peux même pas lui vendre des bûches. Moi fort. Ok. Yes. Et du coup, normalement, si je regarde sur la carte... comment on fait déjà? Non. Toxic Cave. Je peux y aller que par là, je crois. Il est attachant, ton perso, en vrai. Mais il est gentil, Spider Netflix! Il est adorable! C'est juste que les gens, ils le comprennent pas. C'est tout, il est trop gentil. Ok, grotte toxique. C'est Tipa. Bon, ça va. Ça, on l'a eu. Je pensais pas qu'on allait la voir, cette quête-là, parce que je pensais pas que Ardin Buckner nous aurait parlé. Mais peut-être que ça peut régler quelques problèmes. Allez, c'est Tipa. Grotte toxique, c'est plein de geckos normalement. J'ai pas pris beaucoup de potions, j'ai pas pris grand chose. J'ai combien de balles?
C'est des balles de quoi qu'il faut? De 10 mm, je crois. Ouais, des balles de 10 mm. J'en ai combien? 38. Bon, ça va. Ça va, mais du coup, je vais pas utiliser ça maintenant. Je suis en train d'utiliser mes points pour que dalle. Vas-y, Sulik. Fonce, Sulik. Il a un esprit trop élaboré pour être compris par nous, faibles humains. Mais oui, mais quand il parle à Thor, c'était trop mignon en plus. Il s'est adressé la parole de façon très très biblique. Oula, oula. Toi, faire une grande promenade. Mais en plus, notre pote Sulik, il parle un peu comme nous aussi. Peut-être qu'il est un peu con aussi, quelque part. Est-ce que je peux y mettre une beigne dans les yeux? 80%. Tac. Oh, le pauvre gecko, il est par terre, tu fais... dans les yeux avec un point américain avec des pics. C'est Max Ross. C'est un peu Max Ross, ouais. C'est vrai que c'est un peu Max Ross. D'ailleurs, récemment, j'ai regardé une vidéo de... Captain Mittens? Mr. Mittens? Je sais plus. C'est un gars qui aime bien faire des... Est-il possible de faire un run que avec ci ou que avec ça dans Fallout, tu vois? Et là, récemment, il avait fait un run avec des... gants de boxe. Est-ce que c'est possible de finir Fallout New Vegas uniquement avec des gants de boxe? Et c'est génial parce que du coup, les gants de boxe font des dégâts de fatigue et ça fait s'effondrer les ennemis, en fait. Donc du coup, ils se pètent tous la gueule, complètement épuisés, et lui, il leur fout des pains à terre. Et je trouve ça génial. Pourquoi je peux pas le taper, le gros con? Oh merde. Bon bah, vas-y, Sulik, fonce. J'espère, et par contre, je sais pas trop combien il a point de vie, Sulik, mais je lui donne 5 minutes. Oula. Sulik, tu me fais cracher mon jeu, Sulik. Sulik? Sulik? Sulik va vous causer. Spider Netflix et son pote à deux, ils atteignent les 23 de QI. Non, non, il est... mais mec, Sulik, il est intelligent en vrai, c'est juste qu'il parle pas tout à fait pareil. Est-ce qu'on peut voir... On peut pas voir combien il a de points de vie? Tu vois un tribal grand et musclé, il a un os entre les narines, et le visage bariolé, tatouage, son attitude est posée, son air est assuré, il a l'air mal en point. Ah merde, il a l'air mal en point. Est-ce que tu penses que je peux lui filer un truc... Est-ce que je peux le soigner, moi? Merde, il aurait fallu que je voie dans son inventaire. Attends. Je peux regarder ton inventaire, s'il te plaît? C'est quoi, ça? Ok, t'emballes pas. Je crois que je suis en train de le pousser, en fait, sans faire exprès. Prends, Ok, j'ai 4 Steam Packs. Prends des poudres qui rend con, toi. Ok, je viens de l'aider, je crois. Il a l'air indemne. Yes! Ok, j'ai compris comment marche le jeu. Très bien. Par contre, j'ai plus de points d'action, donc Sulik, bon courage. Poto. Tu parles de Mitten Squad. Non, je crois pas que ce soit ça son nom. Quelque chose... si, peut-être, je sais pas. Je sais pas, mais il a fait ça, il a fait finir le jeu entièrement avec un Fat Man dans Fallout 4, que j'ai regardé d'ailleurs récemment. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je sais plus, mais il a fait des runs assez intéressants comme ça. Et ouais, c'était impressionnant sur New Vegas, comment tout le monde se casse la gueule, et je savais pas qu'il y avait cette mécanique-là dans New Vegas, en fait. Les yeux. Merde. Encore les yeux. On tente, et merde. Bon courage, Sulik. Fonce. Toi, faire... Mauvaise chose. Il est mort? Il est pas mort. T'es pas mort, Sulik, hein? Sulik? Sulik? C'est bon, il est là, c'est bon. Sulik est là, Sulik va nous sauver. Sulik va nous sauver. Attends, je vais éviter de mettre des pains chiants. Allez. À la bonne taloche. Et fous une balle à lui, là. 42%, 63%. Yes, ça c'est bien, ça. Non, et je sais pas si... Il a l'air mal en point. Merde, il est encore blessé. Je sais pas s'il a passé le tour, là. Non, c'est bon, lui, il m'attaque. Moi, c'est bon, je peux encore encaisser un petit peu. Sulik, c'est un peu chaud. Nous, pensez-toi pas être en paix avec nous. C'est bien, Sulik. Tu comprends. Déjà, t'as compris tous les antécédents politiques des geckos. C'est cool. Putain, 30% dans les yeux, ça va pas suffire, ça. Entre jambes, je peux leur bourriner les couilles, dis donc. Mais ils ont pas vraiment d'entrejambes, c'est des geckos, quoi. Ça a des couilles, les geckos. Est-ce que les geckos ont des couilles? Biologie des geckos. Comme tous les reptiles, ils sont poïkilothermes. C'est-à-dire que leur température corporelle... Non, mais je m'en fous. Est-ce qu'ils ont des couilles? Le cœur... Système reproductif. Ah mais ça a une teubie super bizarre. Non, je veux plus remettre Fallout. Je veux plus voir des animaux. J'aime plus les animaux. Oui, non, ils ont un hémipénis. Mec. Non. Ils ont un hémipénis, poto.
J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ok, j'ai refoutu des points de vie à Sulik. Et lui, je vais le tabasser au sol. Mais il est mort ou il est pas mort, lui? Bon, c'est pas grave. Toi, mange des beignes déjà, tac. Merde. Je sais pas si Sulik, je l'ai réussi à le sauver ou pas. Il a l'air grièvement blessé. Je crois que je l'ai sauvé un peu, mais il prend quand même des beignes, en fait. Mais je crois que comme j'ai viré son armure... Putain, j'aurais dû prendre plus d'armure pour aller au Toxic Caves, en fait. C'est moi qui ai été con. J'ai mis la teubie dans la forge profonde. Franchement, c'est pas la peine. Hein. Ah, putain, il me tape moi maintenant, fils de pute. Et par contre, le jeu qui s'apprête à cracher à chaque fois que je passe le tour, ça va commencer à getting old. Mais il est mort, lui, ou pas, par terre, là? Bah non, j'ai l'impression qu'il est mort. Ouais, non, il est mort. Ouais, c'est bon, il est mort. Ok, y'a rien à choper sur eux? Non, y'a rien à choper sur eux. Sulik. Avoir besoin de quoi? Montre Ouga. Mais c'est raciste, Spider Netflix, alors calme-toi. Échange. Est-ce que t'as une armure ou un truc comme ça? T'as juste un marteau? J'ai pas une armure en robe pour toi. Tu peux avoir des... Si tu veux, une botte en caoutchouc, si tu veux. Tiens. Je te donne une botte. Clé des portes de trappe. Ouais, ça, on s'en fout. Bah tiens, prends mes... ça, là. Ouais, prends deux. Prends... Non, ça c'est un silex. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est un slip, mais c'est pas un slip. Mes cartes, je m'en fous. Non, j'ai pas d'armure en rab pour lui. Ça fait chier, ça. Limite, il faudrait qu'on revienne. J'ai oublié de lui filer. C'est pas grave. Attends, je vais refaire quand même. Ah, les teubis de canard, ça va te changer. Non, mais ça les teubis de canard, on connaît quand même. C'est un genre de teubis en tire-bouchon, c'est rigolo. Est-ce que tu peux juste prendre, s'il te plaît? Voilà, merci. Et par contre, faudrait que tu me rendes ton couteau, parce que je te préfère avec le marteau, en fait. Putain, je me gourde de toucher chaque fois. Quel abruti. Un slipex. Bah, le slip en silex, mon gars, t'inquiète pas que t'es bien protégé avec ces conneries. Bah, il a 85 PV! Poto, j'en ai 30! Oh, le mec! Massue, voilà, je préfère que tu utilises la massue. Et attends, on va retourner quand même à la ville. On va essayer de voir si on peut pas piquer des armures à quelqu'un. Parce que j'ai moyen confiance en les capacités de machin, là. Comment on fait pour... C'est quoi, déjà? Carte auto? Clamats? Terrain de chasse, pâturage? Centre-ville? On peut pas juste se TP sur les trucs? Archive? Non? Merde, il me semblait qu'on pouvait. Grotte toxique? Non. On peut pas se TP juste à Clamat d'ici? Merde, il me semblait qu'on pouvait, c'est pas... Écoute, on va se casser d'ici, et on va revenir plus tard. À moins qu'il y ait des trucs intéressants, là? T'as les couilles affûtées après. Oh putain, il s'est relevé! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Sans ta gueule, tu restes par terre cette fois-ci, c'est le connard. Il est mort? Il est mort. Oh l'enculé! Oh l'enculé! Oh, j'hallucine! Il a fait... Le mec, il a fait un fantomas, quoi. Est-ce qu'on peut... Je prends pas des dégâts quand je reste à celui-là? T'es sûr? D'accord, donc on peut marcher sur les putains de... Littéralement sur le gaz vert. Mais il a été touché par quoi? Sulik? Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Celui qui est en train de prendre des dégâts pour rien. J'aimerais bien juste ouvrir cette porte, s'il te plaît. Voilà, merci. Yes. C'est quoi, ça? Sulik, qu'est-ce que tu fais? Viens, espèce de gros gogol. Tiens, regarde, c'est quoi, ça? Ça, c'est bien, tout ça, là. Il nous file des godes et des bottes. On peut pas les équiper, les bottes, là-dedans, là? Eh, Sulik, t'es vraiment un gros gay. Sulik, t'es vraiment un gros, gros bolos. Viens ici, Sulik. Bon, démerde-toi. Tu sais quoi? Démerde-toi. Eh, je te heal plus, poteau, hein. Il a pas de chaussures. J'ai mal. Putain, mais ça m'énerve d'être entouré de cons. Tiens, je vais tirer dans les yeux à lui. Je peux pas. Dans les couilles, je peux pas non plus. Bon bah je vais lui tirer juste dessus alors. Tac. Tiens. Putain, c'est 5 PA pour tirer avec un gun, poteau. Sulik. C'est tout ce que tu fais. Il a juste fait en sorte de marcher dans la flaque pour avoir mal et puis il a arrêté. Tiens, ça y est, cadeau aussi. Sulik? Ça va être très long. Ça va être très très long. Mais me le prends pas en diagonale! C'est quand même pas... Je vais t'admettre que le Wasteland, je voyais pas ça comme ça. Maintenant, j'avoue, j'ai passé une semaine à Arcachon en 98 et
C'était quand même plus agréable. J'étais mieux entouré. Voilà, il s'est soigné, tac. Voilà. Oh là là, hey, j'en ai, je commence à en avoir ras le cul. Par contre, il va falloir que je voie pour régler le problème parce que... Allez. Allez, voilà, c'est bien. La mort de Sulik Diagonal. Il n'y a rien sur lui. C'est quoi les games que j'ai eu là? Radix, ah, sympa. Aucun effet secondaire connu, sans accoutumance. Et bah voilà. Ça vire les radiations. Il est où le compteur de radiation sur Pip-Boy? Status? Non. Comment je vois? Perse. Merde, j'ai encore 7 points de compétence. Putain, mais je suis con, j'ai oublié de les foutre. File-moi, mon gars. Ah, mes discours, ça va me servir à que dalle, parce que je suis clairement, clairement con. Vie en plein air. Ouais, non? Arme légère, vas-y, fous arme légère. Ouais, ouais, file-moi arme légère encore. On peut monter à 100? Ok, on peut pas tout à fait monter à 100, mais je vais quand même garder un point qu'on va foutre en secourisme, je pense. Ok. Vas-y, secourisme. Oh putain, ça utilise que un point. Bah oui, je suis complètement con. Projectile, plus 2, 2 fois, 2 fois, 2 fois, 4 fois, 3 fois. Vas-y, esquive. Ou alors vol. Ah, vol, c'est pas mal aussi. Vas-y, vol. Vol, tease-toile. Ok. Vous avez jamais vous avez appris à pas ressentir la douleur. Et ça marche? Non. Avec 16% de secourisme, la seule chose qu'il peut faire, c'est prendre des déchets nucléaires dans sa bouche, les mâcher et les cracher sur ta blessure. Eh, franchement, c'est déjà mieux que rien, mec. Ah! Boum! Je me suis pas soigné. Attends. Ouais, mais il me fait des fausses joies, le con de jeu, là. Mec, c'est super vexant. T'es sûr que tu veux pas? Ça te dit rien. Bon, écoute, on va pousser encore un peu plus dans les caves toxiques. Ça se trouve, on pourra quand même se démerder sans avoir besoin vraiment de d'utiliser nos compétences. Attends, du coup, il faut que j'utilise des steam packs maintenant. Parce que j'ai plus de poudre du cul, là. Limite, faudrait que je retourne à la maison pour faire plus de poudre des fesses. Mais pour l'instant, putain, en plus, ça va être super grand. Non, je pense qu'il va falloir que je retourne acheter des trucs. Désolé, hein, il faut que je retourne à Klamath vite fait. Acheter du bordel parce que ici ça va être une petite expérience hein, quand même. Allez Klamath, on retourne à Klamath. Limite il aurait même fallu que je retourne. Oh non. C'est quoi? Un grand guerrier puissamment bâti se tient devant toi, ses yeux reflètent la haine alors qu'il te passe en revue. Alors comme ça ils ont chassé Kaga et ils ont fait de toi l'être élu. Ha! Tu penses qu'être le descendant de l'habitant de l'abri te rend exception? Ah je sais pas. Tu crois que tu vaux mieux que moi, Kaga le grand? Mouring. Quoi? C'est toi qu'ils ont choisi comme être élu? Ils sont vraiment désespérés. Moi pas aimé toi. Toi l'air méchant. Attends, on essence des trucs. Ah, il veut pas. Attends, t'as pas des... Tu veux une bus? Allez, Sulik. On va enculer des connards. Ah ouais? Toi, je mettais un point dans les yeux à toi. Tiens. Tac. J'adore le principe. Hein? Pim. T'en veux un autre? Eh ben, je vais laisser mon ami Sulik te montrer ce qu'il fait. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Vas-y, Sulik. Fais laguer mon PC, yes. Les yeux qui suintent la haine. L'autre, je lui ai mis un coup de poing américain dans les yeux, il est choqué à vie, hein. C'est tout. Oula. Ah, il est là-bas, maintenant. Il a l'air mal en point, tu m'étonnes. Est-ce que je peux y mettre une petite baloute dans le cul, là, pour histoire de lui apprendre les manières? Eh, connard. Joli tir à mon tour. Eh ben, je t'attends, poteau. Ta meuf, je vais y mettre une baigne aussi. Eh, dis donc, Trintignant. Tac. Oh, fuck. Oh, comment je l'ai enculé. Il s'est barré. Il rentrait chez lui, l'autre. Il rentrait chez mamie. Attends, je vais t'abaisser au sol. Dans les yeux encore. Tac. Eh ben, Yon. Allez. Mais elle est immortelle ou quoi, là? Allez, Sulik. Aouh. Comment ça, nous laisser tranquille? C'est vous qui m'avez agressé, bande de sales fils de pute. Ah, oh, mec. Eh, ça va de jouer la victim card. Attends, je vais la tabasser au sol. Ayon, tac, voilà. La confiture, ça veut dire qu'elle est en mal en point. Ayon, toi, ça te dérange si je te tire dans les yeux? Moi, détester toi. Toi, esquiver. Yes, un couteau en plus qu'on va pouvoir revendre. Et un couteau en plus qu'on va pouvoir revendre. Eh bah écoute, c'est cool. Y'a rien en plus qu'on peut choper ici?
je peux pas manger des cadavres parce que j'ai pas le skill. Et l'autre il est définitivement parti, l'autre. Bon bah écoute. Et bah... Tagada le grand là, je sais pas quoi, il en a pris une jolie, hein. Allez, c'est parti. Non mais attends, c'est une blague. Veux-tu rencontrer un groupe d'âmes saintes? Bah allez, pourquoi pas. Bonjour. Mais vous êtes pas du tout les âmes saintes? Mais attends. Voulez-vous rencontrer un groupe d'âmes saintes? Ils commencent direct à me foutre des pains avec des lances. Mais qu'est-ce que c'est? Bah je tire dans les yeux, moi. Tac. Ah ouais. 36 points d'impact. Et il est pas mort. Alors attends, ce qu'on va faire, parce que là, le groupe d'âmes saintes, là, je le sens qu'à moitié. Genre, maintenant on sait qu'il faut pas croire les... comment on appelle ça, les... témoins de Jéhovah, en fait. Voilà, en plus, on a même pas besoin d'aller voir l'autre con, là. On va aller directement à centre-ville, on va voir si on peut pas vendre 2-3 trucs. On va barter un petit peu. Il est toujours pas là, mon pote Thor. Il existe plus? Non, il est parti en même temps que ses bramines. Échange. C'est pas dans Netflix, les ophtalmos le détestent. Tu m'étonnes. Fusée éclairante. Oh, elle a plein de trucs, elle. Ouh, l'armure en cuir. L'armure en cuir de la légende. Magasin Huckner. T'as du mal à imprimer, on dirait. Tu devrais parler à mon frère, Thor. Il a un problème de connexion, lui aussi. Au revoir. Attends, je vais la... J'allais dire, je vais la violer, mais en fait, je voulais dire, je vais violer Alors attends, voleur, 30%. Allez, il me faut au moins l'armure. Yes. Top. Ouais, bon bah écoute, va falloir faire du commerce, tant pis. Hein. De toute façon, j'ai plein de trucs. Les queer. Tiens, prends bus. Bus, être. Objet préféré. Oh, caillou brillant. Voilà, putain, ça vaut que dalle les cailloux. Les pots, tu veux les pots. J'ai 2 pieds de biche. Je vais en vendre un. C'est quoi ça? Un outil. Eh bah écoute, non, les outils, je prends. Les bottes, ça vaut cher les bottes? Ça vaut que dalle les bottes, je les garde. C'est mes bottes. Les couteaux, je les vends. Les petits fruits rigolos, je les vends pas. Les couteaux de lancer, je les vends pas. J'ai un point américain en rab. J'ai 4 Nuka-Cola. Ça vaut combien les Nuka-Cola? Ça vaut que dalle. 4 queues de scorpion. Eh bah écoute, j'ai 356 balles. Mais qui vend des bûches et des cailloux. Mais quoi, il fait ce qu'il peut, le pauvre mec. Te moque pas de lui comme ça. D'ailleurs, je reprends mes cailloux et mes bûches. Voilà, puisque vous en voulez pas, je vais les reprendre. Il me faudrait... Ça coûte combien tes Steam Pack? Yes. Vas-y, encule-moi la bouche. D'accord, c'est quand même... Ok. Donc tout ça, c'est juste un Steam Pack. Eh bah... Trousse de secours, ça doit être bien ça, non? 409 balles. Fusée éclairante. Je sais pas à quoi ça sert les fusées éclairantes. Tu te souviens sur le mode RPG de Mountain Blade quand on minait et qu'on se faisait voler nos cailloux à la douane du pont? Je me souviens qu'on se faisait violer en boucle dans CRPG, mais le mec il a un d'Intel, il vend ce qu'il trouve joli. Est-ce que c'est pas adorable quelque part? Genre le mec il dit oh les jolis cailloux. Oh, il fait lui donner les cailloux. Tu peux pas rééquilibrer toute seule parce que ça me fait chier de refaire le compte là. Bah attends, regarde, file-moi ça, file-moi une. Oh mais ça coûte que dalle ça. Yes, c'est bien ça. Et du coup, je lui file combien 7 balles en plus. 7. Voilà. Tiens. J'aime bien imaginer qu'il est trop content. Oui, copain. Ok, et du coup, elle a rien à voler sur elle. Très bien. Eh ben, écoute, tant pis. Je sais pas, je crois qu'on peut piquer les trucs. Il y a deux frères trous de balle. Ici, je crois, au Golden Gecko. Et je crois qu'on peut leur piquer... Ah non, j'aurais déjà piqué des points américains, je crois. Ouais, eux. Est-ce que je peux leur piquer des trucs? Oh! Non? C'est bon? Copain? Ok, tu m'en fais une belle dandouille. Donne-moi encore. Moi, balle. Steam Pack. Argent. Yes. Ça, c'est bon. On va save sur un autre slot pour être sûr que ça nous retombe pas dans la gueule. Spider, il a violé des gens. Peccable. Et lui, du coup, c'est son frère, je crois. Et on va voler aussi son frère.
Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça. J'aime bien voler des gens. Tu veux faire un jeu? Non, pas tout de suite. Ah, il a une caps. Non, mais panique pas. Mec, t'es tellement con, ils prennent même pas la peine de tabasser. Non, c'est ça, ouais. Ils pensent que tu vaux pas le coup, en fait. Ils s'en foutent. Tu vas où? Don. Ouais, ici, mal. Je sais pas si je perds du karma ou si ça change quoi que ce soit, mais... Ah bah c'est Sulik, il est là, Sulik. Et lui, là, attends, il y a un bonhomme qui me sourit. Les gens d'ici ont l'air de guère de t'apprécier. Le jury n'a peut-être pas encore statut sur ton cas. Que puis-je faire pour toi? Tiens, vas-y, échange. Ouh! Un fusil à... Rigole pas, Russiane, c'est pas toi ça, Russiane, c'est pas toi. 500 balles ça, vas-y, 500 balles, on va essayer de lui voler plutôt, hein, on va essayer de lui voler. Vos gueules. Et moi, vous noir, ah merde, loupé. Attends, reviens, Spider Netflix. J'en prends 12 des fusils à pipe, c'est pour un pote. Une bonne grosse décharge de fusil à pipe. Bravo, les gars, bravo. Du coup, j'ai 140 balles maintenant avec tout ce que j'ai pillé. J'ai volé une trousse de secours ou je l'ai acheté? Je me souviens même plus. 300 balles déjà pour le Radix. C'est bon, les Radix. Je me suis vraiment fait rire, ouais. C'est-à-dire que cette blague m'a fait vraiment rigoler. Ouais, les Radix, ouais. Je peux lui vendre de la bibine? Ouais, je peux lui vendre de la bibine. Miam miam, les Radix. Ouais, hein. Et 75 balles, ça me paraît un peu beaucoup. C'est quoi? Ça, c'est de l'antidote. L'antidote, je vais garder parce que ça sauve quand même une vie. Le jeu de cartes, Tragic The Garnering, je peux le balancer. Je vais balancer peut-être un couteau de lancer. Ça coûte combien? Oui! Très bon! Très bon! Moi vouloir! Ah oui, non, ça c'est cher, je suis con. File-moi le reste. 75 balles de balles. Ça coûte. Non, pas 64. File-moi 2 balles. Mais non, il est complètement con, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de lui filer toutes mes balles? Qu'est-ce qui se passe là? Non. File-moi. Il est complètement con. Déplacer objet. 1. Ah, c'est un stack de 24, d'accord. Oula, ouh, ok. Ouh, big brain. Big brain time. Ok, c'est par stack de 24, je viens de comprendre. Ok, c'était pas évident, ça va, vos gueules. Tes couteaux, tu sais quoi, je vais vendre les couteaux parce que j'ai que dalle en couteau de lancer. En stade de couteau de lancer, du coup, je vais juste prendre 24 munitions. 650, 175, tu vas me filer 25 balles. Et on va en rester là, d'accord. Voilà. Offrir. Ah, content. Voilà, impeccable. Sulik. Toi avoir besoin de quoi? Moi avoir besoin de filer toi veste en cuir super stylée. Tiens, prends. Et tu la mets, s'il te plaît, surtout. J'espère qu'elle est mieux. Parce qu'en fait, à la base, on en a une. Le problème, c'est que je lui ai directement... directement viré de son corps. J'ai préféré l'utiliser. Tempérament défini. Quoi? Rafale. Longue portée plutôt Grix, quoi? Je sais pas, distance à l'attaque. Ok, donc ça c'est toute cette personnalité en fait. Utiliser un steampack quand ça fait très mal, cible le plus fort. Non, justement, utilise plutôt les... qui tu veux, le plus proche. Mon attaquant. Non, le plus faible, ce serait mieux, non? Pour qu'il se focus plus sur le trash. Mais je peux pas de toute façon, donc bah tant pis. Hein. T'as pas vendu les couteaux que t'as ramassés sur les mecs? Mais non, mais c'est parce que je les ai plus ces couteaux-là, j'ai rechargé la partie de Chubby. Donc je les ai plus ces couteaux-là, théoriquement. Par contre, j'aimerais vraiment bien savoir ce qu'il y a derrière cette porte-là. J'aimerais vraiment bien savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Je peux pas utiliser Sulik. Genre, c'est lui Sulik, là? C'est marrant. C'est quoi, ça? Oh! Crochetage 25%, c'est pas moi, ça? Ah bah si, c'est moi. Je suis vraiment un énorme trou de balle. Tu peux... Vas-y, une chance sur 5, c'est bon maintenant, non? Allez! Crochetage, quand même. Comment je fais? Il a pas des capacités aussi Sulik là? Il peut pas m'assister dans mes trucs? Ah oui, je viens. Donc ça, c'est pour juste le pousser. Ça, c'est marrant, ça. Il a l'air grièvement blessé. Bah oui, mais bon. Une chance sur 4. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment une chance sur 4, en fait. Je sais plus. On a expliqué la dernière fois comment ça marchait. J'avoue, je m'en souviens plus trop.
Ouais, tu vois, j'arrive juste pas à la crocheter, quoi. Et est-ce que je peux crocheter chez Vic? Ça, c'est intéressant, parce que ce serait littéralement la suite de la quête, en fait. Il faut absolument un truc chez lui. Un truc chez lui que, normalement, j'aurais pu choper avec un Yinch, mais Yinch qui n'est pas apparu. Et je sais pas où il est, ce con de chien, là. Est-ce que je peux crocheter maintenant chez Vic? 25%. Allez, s'il te plaît. Please. Non, je peux pas. T'es sérieux? J'ai pas un explosif, là. Franchement, quitte à faire péter du C4, et ça, cet outil, là. Aucun effet. Non, mais je sais bien, espèce de con. Mais est-ce que je peux pas... Si je fais ça... Aucun effet. Oui, je peux pas utiliser cet outil sur cette porte, ce serait con. Si t'as du bol, chez Vic, ça peut le faire. Ah, ouais, ok, non, d'accord. Ok, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, ok, non, d'accord. Ok. Ok. Non, d'accord, j'ai SCAD. Vous avez la blague de SCAD ou quoi? Est-ce que vous avez tous compris la blague de SCAD? C'est très important. C'est quoi cet objet là? Je veux ça, moi. Je sais pas ce que c'est, mais je le veux. Dans ma vie. Et après on retournera au cave toxique du coup. C'est fermé ça ou quoi? Allô? C'est verrouillé. Mais est-ce que, genre, ils disent que c'est verrouillé? Est-ce que c'est vraiment verrouillé? Ou est-ce que c'est verrouillé à aller tranquille? Tu peux pas te battre en utilisant le panneau stop. Ah oui, comme les behemoths. Mec, ce serait super stylé. Mais je crois pas, non. Tu te bats uniquement avec ton désespoir et de l'alcool. Bon, j'arrive définitivement pas à crocheter les trucs, donc bah niquez tous vos mères. C'est qui, lui? Salut, je m'appelle Whisky Bob. Et toi, quel est ton nom? Whisky Gob. Moi, Spider Netflix. T'as pas inventé le fil à couper le beurre, toi, hein? Bon, on a quand même fait un brin de causette, allez, salut. Non, mais c'est tout. Attends. On peut parler deux minutes. Et tout le monde m'envoie chier tellement vite. Attends, on peut pas juste parler. Nez luisant. T'as pas... Non, toujours pas. Putain, je peux parler à personne. Je peux parler à personne, mec. C'est une catastrophe. Il a quoi à voler sur lui? Oh. Oh. Ah, il s'est pété la gueule. Il s'est pété la gueule, ce gros loser. Vas-y, je me casse. Tu mérites même pas mon attention. Attends, non, j'ai foutu la merde. Oh là là, le jeu, il est en train de cracher de tous les sens. Allez, please, s'il te plaît. Laisse-moi jouer Fallout 2. Putain, il doit être en train de... Voilà. Il était en train de mettre à jour, en fait, tous les personnages de la ville. Et du coup, ça a dû lui prendre littéralement toutes ses capacités, quoi. Vous me rappelez mon fils, Thor? Je suis sûr que vous entendriez bien. Pourquoi n'avez-vous pas lui parler? Ouais. Et elle, c'est qui? Ok, c'est la merde. Et Eve, tu vois rien, toi? Non, tu vends que de la merde aussi. Bon, bah, écoute. On va se casser. On va faire ce qu'on veut. Est-ce que tu penses que si je dors au bathhouse, et que du coup, je nique... on peut peut-être... fais voir. Bonjour madame. Ah non mais oui, non mais elle veut pas, putain, à chaque fois je me souviens pas qu'elle veut pas du tout... Elle veut pas du tout qu'on ken, quoi. Et toi non plus tu veux pas qu'on ken. Spider Netflix, Zolineni. Non ouais, elle veut pas du tout qu'on ken. Est-ce que toi t'as des trucs à voler sur toi? Je pense qu'en fait ça va être comme ça qu'il faut jouer en débile. C'est vraiment voler tout ce que tu peux chez tout le monde, histoire de te faire un maximum de thunes pour acheter ce dont t'as besoin, et le reste, bah, tu te démerdes, quoi. C'est triste, hein, mais c'est la vie, ouais. C'est la vie d'handicapé, hein, j'y peux rien. Hein. Fais-moi le couteau, là. Eh, merde! Je m'en fous, je vais save cum. Eh, hey, j'ai un personnage, il... Save cum. Save scum. J'ai un personnage, il est con, j'ai le droit. Hein. Fais-moi ça. Juste ça. Elle veut plus. Eh, faut que tu t'améliores, poteau, parce que... Ça va pas être possible, hein. Je vais te save cum. Je vais te save cum shot. Lapsus relatif au bordel, j'ai apprécié. C'était pas un lapsus. C'était définitif. Il existe plus Thor, donc du coup, il est pas là. Mon copain Thor, il est plus là. Putain, c'est dommage, t'es le seul mec qui était sympathique avec moi, quoi. C'est badant, ça, mec, hein. Et non, mais du coup, c'est pas attraper Thor, je suis con. Putain, ça y est, je suis déjà en train de diriger dans la mauvaise direction. C'est qui, lui, déjà? Un client. Yankee. Ça va, toi? On n'a pas besoin de gens de ton épaisse ici. T'as rien à faire ici, minable. Ok, bah, écoute. Moi, c'est Buck Dunton. Échange. Ah, mais attends, c'est lui que j'ai pas pillé encore. Lui, je l'ai pas pillé encore. Attends.
Spider Netflix, être élu, hein, élu pour être une tête à claque surtout. T'as un moment, t'as fait tomber sur la tête. Oui, ça, on a déjà vu ça. J'ai Ada, je vais me faire des nuggets. J'ai jamais eu confiance dans les, tu sais, genre dans les hypermarchés ou trucs comme ça, t'as toujours des boîtes de 400 nuggets, tu sais. Genre, c'est à 4 euros et t'as pour 16 kilos de nuggets. Et j'ai toujours cru que là-dedans, il y avait littéralement uniquement que du cancer, en fait, quoi. Et ouais, ils sont dégueux, c'est bien ça, on est bien d'accord, ils sont plutôt dégueux, hein. File-moi ça, là. De la poudre grison, il m'en faut encore. 209 balles. Couteau de combat. Ouais, mais le couteau de combat, j'aimerais bien le garder, quoi. Et si tu veux pas un iguane, plutôt. Ou ça, là, de la viande séchée. Et le problème, c'est que la viande séchée, j'aurais bien voulu filer ça au yinche. Mais il est pas là, ce con de yinche, alors je sais pas trop comment faire. File-moi ça. Ton offre n'est pas satisfaisante. Franchement, je sais pas ce qu'il te faut. Moi, j'ai mes nuggets de filet de poulet perdu et j'en suis très content. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bien, ça, je suis d'accord. Donc, vous, c'est la merde. Je peux pas passer... Je peux rentrer ? Je peux pas. Il y a quoi sur vos étagères ? Oh, merde ! Aïe, aïe, aïe. Même ce bouffon de tort a plus de jugeotes que toi. Ah ouais ? Je vais te foutre un pain dans l'œil, mais juste pour le plaisir. Tac. C'est tout ce que je voulais faire. Du coup, je peux pas... Et si je sneak ? Je peux pas sneaker ? Esquive ? Non, c'est pas ça. Bon, allez, on se casse. On va aller au cave toxique. On va avancer un petit peu quand même. Ah, putain, ça m'a tué cette Gamescom là, je sais pas pourquoi, je suis épuisé par les non-révélations qu'on a eues. C'est fatigant d'être déçu, hein, mine de rien. Même si j'attendais rien, comme le dit le proverbe, j'attendais rien et j'étais quand même déçu, tu vois. C'est vrai que c'est fatigant. Hein. Ok, alors par contre, on n'a pas dormi ni rien, faudrait voir si je peux pas filer à Sulik un petit soin. Fais voir, ça, tiens, prends une petite poudre. Ça va ? Besoin de quoi ? Comment je peux voir ces... C'est HP. 67 sur 85. Bon, à limite, je peux lui enfiler un autre, comme ça, on part de bonne, en bonne et due forme. Salut Redson, ça va, mec ? Quoi de feneux dans ta Mifa ? Yes, ça zoom à la turne. Ok. Allez, on s'enfonce. On s'enfonce dans cette grosse cave qui pue. Je suis chaud. T'es surtout épuisé des conneries de Spider. Non mais ça c'est bien sûr, évidemment, tout le monde l'est. 36%, ça se tente. Ok, ça se tente pas. Ok. Yes. Vas-y, Sulik. Et par contre, je t'ai demandé d'utiliser le marteau. Je vais me faire foutre avec mon idée de marteau, là. Les yeux. 30, tiens, bim. Passant au travers des défenses du lézard. Yes. Encore une petite ? Encore une petite dans les yeux. Merde ! Tu veux vraiment pas utiliser mon marteau, en fait ? Putain, ça lag encore. Ça va, Spider, il s'est plutôt retenu, en plus, là, sur ce stream. Donc ça va, faut pas... Arcana, faut pas non plus exagérer. Il a été civil, civique. J'arrive pas à taper les yeux. Voilà ! J'ai léché marteau, pas bon goût combat, pas fort pour taper les yeux. J'ai rencontré un gars qui suit la LMF au motoculteur, mais j'ai oublié son pseudo. Ah, mais c'est pas Slay, justement, ou DP. Je crois que c'était les deux LMF qui étaient sur place. Vous êtes rencontrés comment ? Il rentrait chez lui, là-haut dans le brouillard. Elle descendait vers le midi, c'est ça ? Sulik, utilise le marteau. Sulik, je t'en supplie sur ma vie et sur la vie de ta grosse race. Pain dans la tête, merde. Pain dans la tête, voilà. S'il te plaît, utilise le marteau, quoi. Tu sens le rythme. What ? De quoi tu parles, espèce de gros taré ? Ouais, tu sens le rythme ? Pas particulièrement. J'arrive pas à le taper. J'arrive pas à le taper. 60%, j'ai loupé 3 fois, poteau. Il va me buter, en fait. Maintenant que j'y pense. J'ai 7 PV. C'est-à-dire là, je lui fous une balle entre les deux yeux ou je crève. Allez. Putain. Je t'en supplie. Il est mal en point, quoi. Il a l'air mal en point. Allez. Fuck. Utilise un truc. Utilise une poudre.
Tac, voilà, c'est bon. Je suis hors d'état d'affaire de nuire. Par contre, on n'arrive pas à les taper, les gold geckos, alors pourquoi ça casse les couilles? J'avais mon sweat LMF et j'ai entendu gueuler méga fort. Ah oui, ouais, ça... Ça check out, ouais, ça check out. Par contre, il va encore me buter. Il est immortel, ce bordel, ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Au. Sulik. Le marteau, Sulik. Putain, t'es vraiment une énorme merde. Bon, je vais y mettre des beignes, hein, tant pis. Hein. Coup point. Tac. Ah bah voilà. Eh, quand même pour compliquer. Est-ce qu'il y a du loot sur lui, sale fils de pute? Non, évidemment. On va save vite fait. Désolé, je save beaucoup, ça doit être chiant pour vous, mais c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et ça veut surtout dire qu'il était libre. Et heureux d'être là, après tout, quand même. J'ai combien de Steam Packs? J'ai 6 Steam Packs. Bon, ça va. Ça peut le faire. Non, c'est pas Tab qu'il fallait faire, c'est Mage. Yes. Par contre, je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'ennemis. Ça va vraiment être la merde. Ici, dans les caves toxiques. Et je pense que c'est là qu'on va voir un peu la limite du perso, en fait. Je pense que les caves toxiques, ça va être révélateur d'à quel point mon perso, il est tout niqué de la tête. Oh, il y a un mec, là. Eh ben, c'est pas lui, Smiley, là? Bah si, c'est Smiley, ça. Attends, est-ce qu'on peut pas claquer le système en passant par là, regarde? Fonce, Sulik! Oublie la brûlure sur tes pieds, Yannick Noah. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis dans ce couloir. Parce que j'en ai pas vu, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, quand même. Eh merde! Putain de sa merde! Il y a toujours de la compote. 17%! Pourquoi 17% exactement? Ça va falloir m'expliquer. Il y a des fois vraiment où j'arrive à rien. C'est quoi TA? Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a des fois où je peux tirer correctement. Moins 7%! D'accord! Moins 7%! Eh bah c'est bien! C'est bien, c'est bien. Il fait noir, c'est parce qu'il fait noir, tu crois? Ah ouais. Eh ben, mettre des pains, c'est bon. Ça mérite pas à ce que je sache où je suis. Eh, connard. Tac. Une tâche. Je peux le taper dans les yeux ou pas? 30%. Merde. Sulik. Aou. Sulik. Aou. Sulik. Sulik, je t'en supplie sur ma vie. Je veux le taper dans les yeux. Mec. Aïe, aïe. Aïe, aïe. C'est bon, il me fait que dalle comme dégâts, lui. Il est un peu plus con que l'autre. Voilà. C'est bon, 35 points de dégâts, mon gars. Pim. J'ai même pas eu besoin de toi, Sulik. Ça me rappelle dans les caves quand j'étais petit avec mes futurs ennemis. Ah, classe. Moins 7%, ça se tente. Il est tellement pas de bol, nulle part, jamais, quoi. Bonjour. Et par contre, il est où, mon pote Sulik? 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 Il est où? Ah, ok, il est là. J'ai commencé un peu à me chier dessus. Donc en fait, toutes les fusées éclairantes, je pense qu'elles auraient été super utiles ici. Ouais. Noir se nuit, Sulik faire le dormir. Sulik, accomplir l'acte de dormition. Est-ce que je peux y mettre une beigne dans les yeux encore? Oh, bah merde. Aouh, la tuile. Oh putain, il fait un peu plus mal, lui. Il fait un peu plus mal. Sulik, chanque-le, Sulik. Chanque-le, Sulik. Et je chanque. Je meurs à la vie. Nanana, avec ennui. Allez, tu vas claquer, bordel de merde. Eh mais ils sont blindés les trucs ici, c'est pas possible. J'espère qu'il va nous suivre Smiley et qu'il va nous aider un petit peu parce que si on doit tout faire à la main, nous deux, Sulik et moi, ça va être vraiment très très long quoi. Aïe aïe. Oh là là, putain, il fait tellement mal. Oh, eh mec, c'est lag là. Ça commence vraiment à me faire... je vais devenir taré, je pense. Ça me tue en fait, ça me bute. Est-ce que je... Ah il est mort. C'est bon, il est mort. C'est bon. C'est le noir, c'est la nuit, Sulik faire le dormir. Donc faut passer par là-bas, est-ce qu'il y a un autre connard tu crois là? J'ai l'impression qu'il n'y a personne, j'ai l'impression que la voie est libre. C'est bon les gars, c'est bon, on y va. Yes, let's go. C'est quoi le talent esquive? Esquive. Je comprends pas ce que ça veut dire. J'esquive des trucs? Ou c'est pour déconner? Je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Bonjour, Smiley. Bonjour.
Bonjour, on m'appelle Souriant. Je suis bien content de te voir. J'ai bien cru que j'allais mourir ici. Mes blessures sont trop graves et je pourrais jamais combattre ces foutus lézards tout seul. Souriant, ok. T'as quoi à échanger, tiens? Ouh, t'as des bottes en caoutchouc quand même, hein. Putain, il a 10 pots de gecko doré sur lui, le poteau. Ok. Ah, c'est bien ma veine, là que je tombe sur un tort numéro 2. Bon, moi, besoin de toi pour m'aider à sortir ici. Partir maintenant? Ok, Sniper Netflix, partir, mais sans lézard. Ouais, c'est ça, nous, allez, ensemble, maintenant. Maintenant. Trop gentil. On peut remettre la lumière? Non, mais il sait pas du tout utiliser un ordinateur. Non, mais bien sûr. Je sais pas pourquoi j'essaye. Un ordinateur, mec. Un ordinateur, Spider Netflix. Non, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Et du coup, je sais pas comment ça s'utilise en combat, tu crois, le truc d'esquive, là? Je sais pas du tout. On dirait que tu vas devoir faire fonctionner le générateur. Mec, le générateur? Mais je peux jamais faire ça, moi. Faut réparer des trucs. 3%. Allez, hop, go. Réparation impossible. Science? Tu n'as rien appris. C'est pas que j'aime pas faire la connette, mais à mon avis, on ferait mieux de sortir d'ici d'abord et on discutera ensuite. Bah oui, mais l'ordinateur, comment qu'on fait? Bon, bah c'est pas grave au pire, hein. Bon, bah on se casse. Ok, on se casse. On va repartir de là où on est venu. C'est le moins de risque possible. Je suis sûr qu'il y a des trucs à faire avec cet acide là, mais que je suis trop con pour savoir. Faut que je répande ma science dans l'acide, mais c'est pas assez. Ok. Et on se casse. Sulik, c'est le seul à prendre des dégâts à chaque fois qu'on marche dans l'acide. J'ai aucune idée pourquoi. J'ai l'impression que c'est juste parce qu'il est ultimement teubé, en fait, vraiment. On l'entend? On l'entend sur mal. Il a mal. Il a mal tout seul. Eh hey mec, c'est catastrophique, poteau. C'est catastrophique. Allez, viens, viens vite, Sulik. Il doit plus avoir de vie, en plus. Toi avoir besoin de quoi? T'as combien de vie, espèce de gros débile mental? Non, c'est pas ça. Discutons. Contrôle de combat. T'as toujours le couteau, hein? Ah, c'est parce que j'ai pas changé. 2 sur 85, mon gars. Ouh, putain, j'ai bien fait de vérifier, poteau. Ouh, j'ai bien fait de vérifier. C'est quoi, trousse de secours? Je sais pas ce que ça fait, une trousse de secours. Mais utilise ton truc, non? Ouais, au pire, enfin, démerde-toi, hein. Moi, je suis pas ton... Je suis pas mon père. Attends. Il faut quand même utiliser un truc sur lui parce que là il est vraiment mal en point, le poteau. Il va pas tenir. Il va pas tenir du tout. Merde, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Je suis en train de me galérer dans mes menus tout seul, quoi. Il y a rien qui me dérange, mais je me galère, hein, parce que je peux. Ok. Allez, venez les gars, on se casse. Yes. Du coup, lui faut le ramener à sa sœur. Eh, merci d'avoir sauvé les fesses, je ferais mieux de le ramener à toute vitesse à Klamath. Rendez-vous là-bas. Ne t'inquiète pas pour moi, je peux rentrer tout seul. T'es sûr? Alors s'il y a des gens qui te proposent de te parler, ils s'appellent les saints ou je sais pas quoi, franchement, hein, évite-les, quoi. Bah, il a rien dû comprendre parce que je suis complètement teubé, mais... je crois que c'est à Trapper Town. Non, mais non, pas du tout, c'était pas du tout à Trapper Town. Non, il est à côté de sa sœur, j'imagine. Tu aimes les enfants? Arrêtez, s'il vous plaît, c'est très malaisant, ça. C'est des questions qu'on pose pas aux gens, déjà. Tu aimes les gens, et tu aimes les enfants, est-ce que tu veux jouer à papa et à maman? Ça, tu vois, par exemple? Non, merci. C'est elle, non? Vous me rappelez mon... Non, c'est pas elle. Merde, elle était où? Non? Elle était pas ici, l'autre conne? Bonjour, je m'appelle Maïda Buckner, j'ai... Nanana. Moi, c'est pas dans Netflix. Bah non. Merde, c'était qui m'a donné la quête? Oh, le con. Merde, ah merde, Pip-Boy, statue, Klamath, sauf Souriant le trappeur. Non, il était à l'extérieur, Souriant, non? Je crois qu'il était à l'extérieur, je crois qu'il était de l'autre côté dans la ville. Parce qu'il était pas au Bathhouse, il était pas au Golden Gecko. Ouais, je crois que c'est ça, je crois qu'il est de l'autre côté de la ville. On va aller checker ça tout de suite. C'est pas là, c'est en bas là. Non, c'est, merde, si c'est là, c'est bon, c'est moi qui suis con. Il est pas là. Putain. Je crois qu'en fait, mon problème, c'est pas forcément
comment on appelle, l'orientation, c'est que j'ai aucune mémoire. Genre, je retiens pas les trucs parce que j'ai l'impression que ça me concerne pas en fait. Bonjour, elle, donc nous on s'en fout. Est-ce qu'il y a pas. Mais c'est le frère de qui que j'ai trouvé la putain de sa mère. Mais c'est le frère de qui? J'en ai ras le cul. Putain, c'était au bar au début. Quand t'as changé d'écran, tout à gauche, c'était une armure. Tout à gauche. Là? Non, c'était pas une Power Armor, c'était un putain de robot. C'était un putain de robot et il est très colère. Et du coup, je vais pas aller le latter. Ou peut-être pas tout de suite, peut-être à la fin du stream pour voir si j'arrive à faire quelque chose. Mais oui, c'était un putain de robot ultra vénère. Bon alors, c'est qui ça, c'est... Vous me rappelez mon fils Thor? Non, parce que c'était pas une maman qui m'a parlé tout à l'heure, c'est son frère, sa soeur, je sais pas quoi. C'est un mode l'enfant. Non. C'est alors après, oui, on en a parlé tout à l'heure. J'ai un patch qui restaure du contenu qui a été viré des différentes versions. Donc ça se trouve, c'est un truc qui n'existait pas à une époque. Mais moi, je l'ai. Que veux-tu? Non, c'est pas elle. Je pense pas qu'il tire sur les gens cons. Je peux y aller. Et que j'ai même pas assez de science pour comprendre un robot, je suis sûr. Mec, j'arrive plus à trouver qui m'a donné la quête. C'est blasant, quoi. C'est là, ici? Ben non. Mais mec, c'est pas possible! C'est à qui que j'ai parlé, la putain de sa race? Ça me fait pas rire, y'a des gens qui sont en train de se foutre de ma gueule. Ça me fait pas rire. C'était pas au bathhouse? C'était pas ici? C'était là? Ben non. Y'a rien ici, y'a que dalle, c'est que de... Y'a juste eu un massacre, c'est juste un genre d'abattoir, ici. Les gars, à l'aide. Vous vous souvenez plus, putain, mec. Centre-ville, Klamath. Et hop, les nugés. Les nugés. Mon frère Smiley. Cette quête est aussi décevante que la Gamescom. Non, mais c'est chez les trappeurs, alors. Mais merde, c'est incroyable. Y'a quoi, ici? Non, ça, c'est pas elle. Cette grosse pute, là. Non, c'est pas elle. Y'a quoi, ici? Tu peux pas y aller? Si, je peux y aller. Allez, on y va. Merde, les gars, je me suis paumé. Ça y est, c'est arrivé. Ça m'arrive tellement rarement, tu comprends. Ah, je suis en train de me faire attaquer par des geckos, encore une fois. Y'a personne ici, on est d'accord? Non, y'a personne, bien sûr qu'il y a personne. Étonnant, ta gueule, toi. Même pas je réponds à de la provocation aussi basse et mesquine. Tiens, nique ta mère, prends une grosse baloute. Allez, marteau, tac. Et ben voilà. Voilà le marteau. Bim. Allez, Sulik, monte-lui. Non, aïe. Tac, d'accord, ok, donc c'est bon, il va changer d'arme tout seul quand il aura pas assez de PA, c'est bien, hop, à bout portant, dans les yeux, PM, il a dodge, top. C'est quoi le nom du frère? Il s'appelle Souriant en français, mais il s'appelle Smiley. Smiley, et je sais pas où est sa conne de sœur, et je sais même plus qui c'est en fait qui m'a donné la quête, mais je crois qu'elle est chez les trappeurs, et que là je fais fausse route. Et je peux toujours pas, en fait normalement en plus... Quand tu parles au trappeur, il y a possibilité qu'il te file un skill pour pouvoir dépecer justement les geckos. Et comme ça, tu peux te faire un max de thunes parce qu'il y a beaucoup de geckos dans le jeu. Mais évidemment, comme mon perso, encore une fois, est trop con... C'est quoi le panneau, là? J'ai jamais vu ce panneau, là. Tu vois un morceau de bois sur lequel les bouts de papier sont punaisés. Tous les papiers, sauf un, ont des petites marques énervantes à forme d'insectes. Ouf, quelle fatigue! Tu devrais trouver une activité moins éprouvante. Oh non, il sait pas lire. Le pauvre. Oh non. Le pauvre. Allez, Thor. Un dessin qui représente le corps d'une bramine marqué d'un grand X. L'inscription Thor est griffonnée en dessous. Pas aussi artistique qu'à Lasco, mais le sens est assez clair. Et ben en clair, un pauvre gars nommé Thor a besoin d'aide pour ses bramines. Ouais, mais c'est bon, c'est déjà fait, ça.
Oh putain, le pauvre garçon. C'est elle? Ah, c'est elle? Non, c'est pas elle. C'est au bar Buckner. Bah ouais. Mais il est où? C'est lui? Je te dois bien quelque chose pour m'avoir sauvé. Ah oui, il est là en fait, il est là, ok. Le moins que je puisse faire, c'est d'apprendre quelque chose. Apprendre, étant donné que les geckos ont failli... Ah bah si, c'est lui, c'est bon. Je vais t'apprendre comment se faire la leur. Voilà comment il faut les dépecer. Souriant te fait une démonstration. Ensuite, tu n'as plus qu'à aller les vendre, les pots, compris? Oui, les vendre, ok. Et voilà. Et bah on a fait la quête. C'est bon. C'était ouf. On a fait beaucoup de choses. On a rencontré plein d'amis. T'as mis un intelligence? Oui, je suis en train de faire un run, un int, et c'est particulier, hein, c'est très spécial. Et du coup, maintenant, je peux dépecer. Comment on fait? Comment on fait pour dépecer les trucs? Parce qu'il y en a plein, là. Maintenant, il va dépecer les bûches et les cailloux avant de les vendre en pensant que ça en vaudra plus. Je sais pas comment on fait pour dépecer. J'ai pas compris. Il a l'air sans vie. Ouais, ça d'accord. Est-ce que je peux lui parler? Bonjour. Il te faut un couteau. Ça, j'en ai. Frapper, pousser. Est-ce que je dois faire un truc comme ça, ça, et foutre le couteau dessus? Attends, annuler. Attends. Refile mon point américain. J'en ai deux d'ailleurs, peut-être falloir que je m'en débarrasse de un. Ça, comme ça, et comme ça. Aucun effet. Putain, merde. Ou alors c'est que sur les prochains qu'on bute. Attends, on va voir. On va buter le petit gecko qu'il y a là. On va le défoncer même. C'est un gecko normal en plus, on peut lui foutre cher dans la gueule. Tac. La tête. Pim. J'ai raté. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre de cette vie. Cette vie, je mérite pas autant de souffrance. C'est bien, Sulik. Tac, loupé. Allez, Sulik, défonce-le. Non? D'accord. On n'arrive pas à taper ce gecko, hein. On n'arrive pas à le taper. Écoute. Bim. Ouh. Voilà. Est-ce que maintenant je peux? Non, ça, c'est les herbes du désert. Une coquille d'œuf. Mais non, je veux le gecko, moi. Ah! Ok. C'est sur les nouveaux geckos. D'accord, très bien, d'accord. Je vois. Eh ben écoute, tu sais quoi, on va aller directement à Trapper Town, vendre les pots de gecko. Et puis de toute façon, je pense qu'on peut rien faire d'autre ici. On a épuisé ce qu'on pouvait faire dans ce bled, parce qu'on est littéralement trop con pour faire autre chose. On n'a pas rencontré le chien, parce que, je sais pas, le chien est juste pas là. Et ben voilà, on a rien appris, on a rien branlé. On a pas un super niveau. Ah non, c'est pas là du tout. Attends, tu sais quoi? Est-ce qu'on peut essayer, tu crois, de niquer le... Ça fait longtemps que j'avais passé en plus. Bonjour. Bonjour, Mister. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Il est prêt, il est très proche d'un coup. Tiens, dans les capteurs. Quelques dégâts structurels. Ça a rien fait, je crois. Coup critique, je lui ai fait 9 points de dégâts, poteau. En coup critique. Et j'arrive pas à le taper. Sulik, je t'en supplie. Tant qu'un petit peu, je t'en supplie. Se demander quelle couleur a le sang de moi, ok? S'il te plaît, je t'en supplie. Unité centrale. Pim! 10 points de dégâts. C'est déjà ça. Faut courir, tu crois? Évite qu'il te tape. Aïe! Ça va, il fait pas tant de dégâts que ça. Par contre, il tape très souvent, par contre. Putain, ça me saoule ce lag, là. Ouh! Oh putain, mais c'est l'enclave ici! Ah, mais carrément du coup! Attends, c'est quoi ce qu'on va faire? On va foutre à chaque fois ça. Un tir dans les capteurs. Et on se casse. Et on se casse de deux. Est-ce que tu penses qu'on peut déclencher esquive? Et on va voir si ça fait quelque chose. Ouais, c'est bon, il lui fait mal. Je pense que c'est possible de faire ça. J'ai tiré sur mon pote. Oh yes, I am a winner.
Il donne rien, évidemment. Top. Quelque chose m'a piqué. Oh non, c'est maintenant en plus c'est Forrest Gump, mais je suis encore plus attendri par le gars. Oh le pauvre, c'est Forrest Gump. C'est quoi? Un passe jaune du réacteur. Bah ouais, grave. Hélico craché. C'est qui lui? Ah, il en reste plus grand chose du pauvre poteau. Attends, vite, vite, médecine. Lève-toi, poteau, lève-toi. Oh non. Les morts ont droit au repos éternel. D'ailleurs, c'est bien dit. Et donc, du coup, il n'y a rien d'autre à part un pass ici. Et j'imagine que c'est pour une quête plus tard ou ailleurs. Et bah, je suis content. Merci pour le... Pour le tip, Redson. J'avoue que celui-là, il m'a enculé plus de fois que je n'oserais l'avouer. Après le pass, l'impasse. Waouh, putain, quel homme. Du coup, on va aller juste vite fait à Trapper Town. On peut vendre rien à personne ici. Méfie-toi, les frères Dunton, ils sont dangereux. Tagada, tagada, voilà les Dunton. Ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est drôle, ça, c'est de l'humour... de boomer. Où vas-tu? Ah non, pas encore un gamin, casse-toi, hein. Elle, on peut vraiment pas lui parler non plus. Y a rien de l'autre côté. Je crois que sinon, il y a que dalle ici. Hein. Bon, bah écoute, on va se barrer. Allez, cassons-nous. On va aller à The Den, voir si on peut pas vendre nos pots sur place là-bas. Encore une gamine là-bas. Il y a des enfants partout ici, là. Mon gars, dans Mad Max, elles feront 5 secondes. Les gamins. Déjà, je trouve que Klamath, la ville, elle est trop, je dirais, paisible, tu vois. C'est tranquille, franchement, Klamath. Hein. Tu sais quoi? Attends, j'ai une idée. I've got an idea. Si je dors jusqu'au soir. C'est vrai qu'on peut dormir jusqu'à la guérison, en plus je me fais chier mais à chaque fois, mais c'est pitoyable. On va dormir jusqu'à 20h. Tel que le chien il pop la nuit. Ou alors, il y a des choses intéressantes le soir. Il y a un gamin qui empêche les deux NPC de sortir là-bas et ça m'éclate. Il y a toujours pas de gamin? De gamin, de chien. Non, que dalle. Et tu sais quoi? Bah écoute, si on a rien, on va dormir jusqu'à ce que le coéquipier soit soigné. Et de toute façon, il a tellement de PV qu'on va dormir une semaine. Regarde, on voit que ça heal déjà moi là. C'est pour 45 et lui, il a 100 PV. Ah. Déjà? Sulik? Il est où? Ah, t'es là. Toi avoir besoin de quoi? T'es déjà soigné toi? Bah. Et non, ça a pas pris tant que ça. Bah non, 58 sur 85. Espèce de gros cake, pourquoi t'as arrêté de te soigner? Bah alors? Non mais c'est pas fini mec, c'est pas fini, on attend. Voilà. On peut tuer le môme, oui on peut tuer les mômes Redson, grâce au patch. Enfin grâce, sûrement. Si t'es un gros psycho, ouais. On peut buter les mômes. C'est tout? C'est bon, t'es soigné maintenant poteau? Je veux m'assurer qu'il ait toute sa vie parce que 85, yes, d'accord. Eh bah écoute, on est tranquillos. On va se casser, on va aller à The Den. Alors, je suis pas sûr d'où est The Den. Je dois vous admettre que ça va être un petit peu... Mais il était pas là, le Klebs, au début, là? Le Klebs, il était ici, non? Le Klebs, il était là, il a bugué quelque part? Est-ce que je peux pas foutre... marquage objet, oui. Examen combat, oui. Marquage cible, oui. Est-ce que ça marque les gens? Non, ça marque personne. Bon, j'ai paumé le chien du jeu, c'est pas grave. Den. On va essayer de crocheter une fois, allez, une fois. Une fois pour le petit plaisir. 25%, allez, ça se tente. Tu n'as pas réussi. Allez, s'il te plaît, il faut vraiment que j'aille là-bas. Allez. Mais 25%, c'est assez, une chance sur 4. Voilà, j'ai essayé 4 fois. Allez, faut que ça marche maintenant. Théoriquement. À cause de ton manque de dextérité, tu bloques le verrou de la porte. Mec, il y a des cigales. Il y a des sauterelles qui ont ouvert leur gueule en même temps qu'elle bande de sale pute. Ok, alors je vais essayer avant. Et on va essayer d'aller au Den. Et ça va être... Tandax un petit peu, je vous admets. Attends. Je vais regarder sur une map. Parce que du coup, je peux pas vraiment y aller à la main, à The Den.
Ok, ça doit être dans... Ouh ! Ouh ! Ouh, mamie ! Ok. Dans le coin là-bas, ça va être en fait. Tac. Ici. Ouais, donc normalement... Ah, ok. Une bande de parias très fâchée. Non merci. Ouh, pile dessus, mec. Ah. Un groupe de rats scorpions. Non merci. Inconnu. C'est Tipar, The Den. On y est. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Déjà, c'est la merde. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est la merde. Est-ce qu'on peut parler à cet homme qui a l'air définitivement dans un état de second? Ah, j'ai tellement de sommeil. Là, il y a un bar avec deux enfants devant. Il y a une énorme pute ici. Un junkie. Mais tout le monde est un junkie, en fait. J'ai besoin d'un bon fixe. Ah ouais. Oh. Scad, regarde pas. Bonjour, madame. Bonjour, je m'appelle Elisabeth. Je t'offre un verre. Tu as sûrement très soif après ce voyage à travers le désert. Ok. Est-ce que ça va? Tu veux un whisky? Seulement 5 dollars. Et voilà, merci beaucoup. Iton. Bien sûr. Rourou. Tu as perdu 1 perception. Je crois que parce que je suis bourré. Hein. Je peux jouer là? Est-ce que je peux jouer? Que puis-je t'offrir? Ayo Sasha. Ayo Sasha? Ayo, ça veut dire quoi, Ayo Sasha? Je comprends pas. Wiki. Non, pas whisky. Lui, c'est qui, lui? J'aime bien, lui. Tu vois le garde devant le casino bar de Babette. Elle est pas bête, Babette. Lol. Je peux pas jouer? Et bonjour, ça fait plaisir de voir une nouvelle tête ici. Je m'appelle Léane. Je t'en prie, assieds-toi. Disby. Oh, pardon, je comprends pas. Tu devrais peut-être pas boire autant. Brigigigi. Je peux pas jouer, moi? J'aimerais bien jouer, moi, s'il vous plaît. Allô? Est-ce que je peux... Dans ma run ici, j'ai troqué ma virginité pour une esclave à moitié brillante. Oh là 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 là. Bigigi. Non, je peux pas. Fegi. Non, non, je peux rien foutre. Là, là, une fois de plus, au Den, bah, je peux rien faire, en fait. Il faut que j'arrive à trouver Vic. Je sais même pas vraiment où il est, ni ce qu'il faut faire pour l'aider. Il y a des junkies partout, ça sent la merde. Enfin, c'est pas top, The Den, hein. Mais ça a l'air aussi grand que Klamath, donc ça va pas être trop trop chiant. Je veux juste voir un truc. Alors, parce que oui, ce mec avec son armure là, je le trouve super intéressant. Fais voir. Parce qu'il me plaît, lui. C'est tout ce que t'as sur toi, putain, gros loup. Oh non! Oh, la cartouche qui m'a collé. Attends, non, c'était pour déconner, on dirait ta rue. un petit peu, ouais. Ça manque de club de striptease, mais ouais, un petit peu, ouais. Toi, t'as que dalle sur toi. Toi, là-bas, avec ton casque à cornes. Présente-moi ta femme, tu sais pourquoi t'as les cornes. Putain, mais vous avez que dalle sur vous, bande de gros minables. Elle, là, putain, elle doit bien avoir des trucs. Eh, putain, c'est quoi cette ville de merde? Je suis blasé, là. Mec, ils sont tous pauvres. À quoi ça sert? Ouh. Loupé. Il me faut ça. Je veux ce Zippo dans ma vie. Donne-moi ça. Yes. Et je pense pas que je puisse rentrer ici. Je pense que ça va causer des problèmes également. De toute façon, je pense que je vais couper le stream dans pas longtemps, les gars. On est arrivé au Den. C'est assez important. Oh, c'est ouvert. Y a des gens ici? Et une grosse table dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, une cuisinière. Vas-y, file-moi ça, là. Oh, attends, j'ai pas fini mes nuggets. D'accord, vas-y, finis. On attend que Spider finisse ses nuggets et après on coupe. Ah, yes, ça c'est bon, ça. Ah, I've got good things on sale, stranger. Ça, y a quoi là-dedans? Ouh, yes. Ça, je vais pouvoir faire des potions si jamais je retourne au bled, plus ou moins. Tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? On va attendre. Non, valider. Pip, ici, on va attendre jusqu'au matin. Parce que ça me saoule qu'il fasse nuit, on voit que dalle, et là, ça va être bien plus clair. Voilà. Ah, là, c'est bien. Ouh, putain, il y a Triple H. Regarde-le, lui, mon gars. Regarde-le, comment il est trop stylé. Salut. Eh, hey, salut, je m'appelle Joey, que fais-tu sur mon territoire? T'as un truc à vendre, peut-être? Un truc intéressant? Non, que dalle. Ok, tu pues la merde, quoi. Mais il a l'air d'être clairement le chef. Lui, c'est qui? Un autre voyou. Continue à marcher. Lui, va-t'en. Oh, trop mignon, il dit va-t'en.
En halle-toi, ville. Ville et vénale. Tabise. Ok, pancarte chez Dodu. Oh, chez Dodu. Il est où, Dodu? C'est qui? C'est toi, Dodu? Ah, on risque d'avoir quelques problèmes de communication. Fais oui avec la tête si tu veux bien échanger des marchandises. Oh! Oh! Ouh! Ça coûte combien? Ouh! Ok. Attends, est-ce que je peux le voler, lui? Parce que ça me plaît, ça. J'aime bien... T'es sérieux? Non mais attends, c'est une blague. C'est tout ce que je peux te voler dessus, toi? Non mais mec, du jet? Et en plus, je me suis fait choper, tiens. Ouh! Oh, il a sorti la matraque. Loupé. Est-ce que je peux piquer dans son truc? Il a quoi? Putain, mais en fait, ils ont pas de stock. J'ai l'impression que le stock, il est planqué ailleurs. Je pense pas que ce soit possible vraiment de voler le stock des NPC. Ah, c'est une chaise derrière lui, je crois que c'était un mec. Y a quoi là-dedans? Le PM, c'est trop bien. Ouais, le PM, il est super. Et les exécutions que tu fais au pistolet mitrailleur sont extra... Madame? Tu vois une prostituée fidèle au jet. Dodu est le meilleur fournisseur de toute la ville. Ok. Oula, ok. Tu vois une prostituée fidèle au jet. Dodu a le doigté pour s'occuper... Donc j'imagine que pour... Ouais, je vous rappelle que dans Fallout... Tu peux avoir une femme et la faire bosser en tant que pute. J'imagine que c'est Oden que tu peux faire ça. Avoir une femme et la faire tapiner. Le problème, c'est que notre personnage... Oh putain, c'est quoi le bordel ici? Bonjour. Une espèce de gangster. Ah merde, c'est celui-là, ça. Comment t'es rentré? Ah oui, il y a une porte. Ok. Tu veux nous rejoindre? Comment ça va? Bah, je veux bien, ouais. Alors après, niveau communication, ce sera peut-être pas le top, mais... Bonjour, oui, moi là, Lara. Je m'appelle Lara, je suis à la tête de ce gang. Si tu viens nous chercher les noises, gare à toi. Rara. Il n'y a pas de docteur en ville et je peux pas t'aider. Birk. Trop mignon. Haru, je regrette, je comprends toujours pas. Mais merde, mais je veux... J'adore ce truc. Il est adorable. Il est trop mignon, ce mec. J'imagine que si je fais ça, ils vont tous m'éclater. Ah non. D'accord. Eh ben on va continuer à fouiller, mais je suis pas sûr que... Non, toujours pas. Ah, y'a encore rien. Ah mais je sais pas si c'est pas ici qu'on peut rencontrer Dogmeat d'ailleurs. Ouh, est-ce que j'ai foutu mon magot? Ouh, d'accord. Y'a la Brotherhood of Steel aussi. Je crois que c'est ça, oui, c'est ça le symbole, c'est... C'est pas l'enclave. Non, c'est la Brotherhood of Steel, je crois. Ouais. Rencontrer la mystérieuse môme. Ok, il y a des trucs bien wild qui se passent ici. Juste voir si je peux pas piquer des trucs sur Laura. Lara. Voir, voleur. Est-ce qu'elle a pas les trucs sur elle? Cette énorme pute, là. Bonjour. Qui me respecte? Pff, elle a que du Nuka-Cola, c'est bon. C'est, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas trop piquer des trucs qu'ils ont sur eux, genre... Dans Fallout 3, je crois. Quand t'avais le vol assez haut, enfin le pickpocket assez haut et tout, tu pouvais genre vraiment les foutre à poil, je crois. Ça c'est bon, ça c'est bien, ça c'est bien, yes. Ça c'est cool. Voyons voir cette maison, donc ça c'est le casino. Cette maison là, y'a quoi dedans? Mec, y'a des putes et des junkies partout. Oh là là, putain, c'est quoi un junkie? Laisse-moi tranquille. Que regardes-tu? Vous avez pas un peu de jet pour un poteau là? Non mais le pauvre Spider Netflix, il sait même pas ce que c'est hein, du jet. Ah, oh, c'est comme la Ventoline. Il y a des posters de meufs à poil. C'est sympa, Zedan, en tout cas. J'aime bien le... Ouh! J'aime bien l'ambiance. C'est quoi ton problème, hein? Fais gaffe, parce que j'ai peut-être l'air con, mais je suis ultra violent, poteau. J'ai peut-être l'air con, mais mon pote, il a rien à perdre. Celui qui est pieds nus tout le temps, là. C'est un fou, mec. Faut voir mon inventaire. Est-ce que j'en suis comment niveau poids, là? Oh, bah, 136 sur 275. Putain, je suis large! Une occasion unique dans la vie d'apprendre, venez seul. Ah putain, je crois que eux ils te piquent des choses. Je crois qu'il faut pas trop les approcher parce que sinon ils te font les poches en fait. Je sais pas trop ce que je peux foutre en fait dans ce village. Oula, c'est Junk Town ici quoi. Mais j'ai entendu un chien tout à l'heure et j'aimerais bien voir si je peux pas m'en faire un pote. J'ai assez de viande sur moi. Attends, on va aller voir là-bas.
Mon gars, dans le vrai run, quand on commencera un vrai run qui sera pas handicapé par nous, qui sommes handicapés, on va tellement avoir une tepu. Un vieux type graisseux. Allez, allez, casse-toi. Mais vous pouvez pas vous détendre tous? C'est incroyable. Toi, t'as rien sur toi en plus. Je vais save et juste lui piller chez lui. On va visiter la deuxième partie de la ville et ensuite, je pense que je couperai, d'ac. Là. Yes, une pelle. Yes. Et derrière, les sanitaires. Et je crois que cette pelle, si je me souviens bien, peut... Cheesy pouf. Ok. Je crois que cette pelle, si je me souviens bien, peut permettre de littéralement voler des tombes. Tu peux creuser dans un cimetière et voler ce qu'il y a dans les tombes. Ça peut être une entreprise agréable. On va aller là-bas. On va aller de l'autre côté de la ville. Visiter un petit peu de den. Et écoute, pour l'instant, on n'est pas trop entravé dans notre progression. Donc limite, je pourrais continuer un petit peu cette partie. Mais quand on sera définitivement bloqué, je pense que on fera autre chose, d'ac. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Allez, c'est hyper. C'est quoi par ici? Oh. Oh. Slaver's Guild. Une guilde d'esclaves. Oh. C'est cool, ça. Mec, c'est ici qu'il habite, Carpenter Brut. Mec. Oh là là. Attends, c'est quoi? Vous faites quoi ici? Je veux, là. Moudour. Quoi de neuf? Va voir Tyler. Ouais, je veux, moi. Oh, mec. T'es qui, Tyler? Mais... Il fout de ma gueule? Mais non, mais bonjour Tyler, je peux te parler? Bonjour. Non, bon bah merde. The Neon Church. Mais oui, carrément, mais attends, je me suis foiré. On va repiquer ça. Et on va retourner là-bas. Donc, il faut pas rentrer. Moi, quand ils m'ont dit va voir Tyler, bah je me suis dit, bah je rentre et je vais voir Tyler, quoi. Et tu vois, j'entends un chien, je sais pas si c'est. Du Flavor FX ou si c'est... Il y a vraiment un Klebs en fait, je me rends pas compte. C'est pas grave, on s'en fout, allez. Continuons. Voyons, réfléchissons. Mais je veux rentrer là-dedans, je veux faire partir de quoi que ce soit, ce qu'ils sont en train de foutre là, ça me plaît moi. Ça me plaît, putain mon gars, le truc tellement vénère. C'est lui Tyler? Ah oui, c'est lui Tyler en fait. Mouignon. Qu'est-ce que... T'es qui et tu veux quoi? Moi t'es pas dernier Netflix. Sympa, moi Tyler, moi partir, salut. Mais mec, mais non, mais c'est pas possible! Dégage, espèce de monstre couillol! mais c'est super badant! Bon bah écoute, je vais piller les tombes! Non, y a peut-être qu'on peut être un esclave? Un esclavagiste? Bonjour, conduis-toi bien! Ok, donc là je peux rentrer! Normalement là je peux rentrer! Oui! Bonjour! Salut, bienvenue à la guilde des esclavagistes. Je m'appelle Aidan. T'es là pour faire les affaires? T'as intérêt. Les guildes des esclavagistes. Tu rigoles ou quoi? On capture, on vend des esclaves ici. C'est pour ça qu'on est là. Tu cherches un peu l'action? Travail. Aidan te regarde de bas en haut. Ben, t'as pas l'air tellement le genre, mais si le boulot t'intéresse, va parler à Metzger. Son bureau est juste derrière la porte au fond. D'un coup. On peut? Non, on peut pas. Ok. C'est lui, Metzger? Oula, oui. Oh. Et c'est qui ça? Un esclave? Ah oui, d'accord, ils ont des petites chambres. Oh, c'est bien fait quand même. Attends, je peux passer? Je peux passer, hein? On vend rien si t'es là, si c'est pour ça que t'es là. Conduis-toi bien. Ok, je peux passer. On est d'accord, vous allez pas me tirer dessus si. Ouais, si, c'est bien. Je crois qu'il y a un esclave qui est en train de se barrer, les mecs. Ah non, c'est Sully, je suis désolé, il est en train d'ouvrir les portes, il a pas trop appris. Qu'est-ce que tu veux ici? C'est la guilde des esclavagistes, pas un refuge pour les allumer au jet dans ton genre. Spider Netflix vouloir tuer. Ouais, tu pourras faire affaire. Faut pas une grosse cervelle pour aller à la chasse. Si tu déconnes, je te revendrai. Si tu penses à être à la hauteur, faudra te faire tatouer sur le front pour que tout le monde sache que t'es. Oui. T'es sérieux? Regarde-moi, t'as même pas pleuré, je suis fier de toi. Ça te va bien d'ailleurs ce tatouage. Pousse un bon beuglement quand tu voudras participer à ta première chasse à l'esclave. Moi tuer maintenant. D'être mes hommes te mèneront assez près de tes cibles. Ta paix est calculée en fonction du nombre d'esclaves que tu ramènes. Mais fais attention à tes collègues. S'il y a des morts, ta paix sera réduite en conséquence. Okay. Tue seulement les plus hostiles. S'ils t'attaquent, tue-les. Je veux pas avoir affaire à eux, c'est trop chiant. Une fois que t'auras fini, les autres esclavagistes les encercleront et marqueront les restes. Ok. Quand ils commenceront à marquer les esclaves, tu peux revenir si tu veux. Ils sont entraînés spécialement pour ça, alors n'essaye pas de soumettre les survivants tout seul. Fais ce que tu veux tant que tu les gâches pas la marchandise. Non. Ah, tu veux partir maintenant? D'accord. Le pauvre Spider Netflix, il s'est engagé dans un truc, il a aucune idée de ce qui se passe. Quoi? Est-ce que Sully qui est en train de me tabasser?
Pardon, copain. Moi, tu es... Putain, je l'ai raté. Vous pouvez m'aider, les copains, parce que celui qui commence à me casser les couilles. Tac. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre, la trahison totale du truc. Non, je pense que du coup, on va pas partir là-dessus, parce que le pauvre Sulik, attends, c'est cruel, quoi. Sulik, t'es con. Sulik, il est con, il est débile. Dans la tête, tac. Alors, par contre, il a beaucoup de points de vie, le poteau. Ah, il est mort. Voilà. Sulik, plus qu'à ses couilles. On va entendre les suppliques de Sulik. Oh, ça, c'est beau, ça. C'est de bonne facture. Ça, c'est de la rime où je me connais pas. Par contre, ils sont où? Il est pas... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? De la peau de gecko dorée. Mais bien sûr. Je veux plein d'amour, il a dit l'autre. Ça, je prends. Et je vais me faire les couilles en or. Ah bah si, les voilà. Salut les gars. C'est les gars de ma tribu. Ouais, c'est les tribaux, c'est exactement comme moi. Donc je suis en train un petit peu de trahir tout le monde. C'est un peu badant. Je sais pas s'il faut que je les tue ou pas. Ah oui, ouais, non, si, ouais, ils sont chauds. Ils sont tous chauds. Ancêtre, guide mon bras armé. Ouais, t'inquiète. Je vais lui guider en plein dans ta gueule. Alors par contre, ça va peut-être cracher. C'est pas grave. Tu tues les agressifs. Ah oui, c'est vrai. Mais je crois que j'ai tiré sur un mec qui était pas agressif, non? Alors je suis désolé parce que le jeu doit être en train d'essayer de faire bouger tout le monde. Ouh. Je suis estropié, ils m'ont éclaté, mec, j'ai rien vu. J'ai rien vu de ce qui s'est passé. Tiens, toi, méchant. Allez, cassez-vous. Je crois que je me suis fait abattre. Fini de toi. Ton village est perdu et mourra de faim. Faut l'encaisser, hein. La fin de Spider Netflix, faut l'encaisser, hein. Il est passé, il est mort comme il a vécu, ouais, comme un con. De toute façon, je pense qu'on va arrêter là. Si la dernière fois, si la prochaine fois, on recommence, enfin, on continue l'aventure de Spider Netflix, je pense que je recommencerai une save d'avant. Pas en faire un esclavagiste, ça lui convient pas trop, je trouve. On verra ce qu'on fait. Mais en tout cas, je pense que la prochaine fois, je vous montrerai surtout Fallout 1. Et on verra ce qu'on fait. En attendant, bref, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'aussi de voir un petit peu voilà, la Gamescom et tout, qu'on en parle, ça vous a plu et tout. Moi, je crois que la prochaine fois que je stream, c'est jeudi pour Fallout 4. Sinon, bah, comme d'hab, toute la semaine, il y a des gens. Hein, mais ouais, la prochaine fois, moi, c'est jeudi. Demain, c'est Spider qui prend. Mercredi, c'est Poléon sur Metro Exodus encore. Vendredi et samedi, il y a des gros streams. Voilà, j'espère que ça vous a bien plu. Et j'espère que Fallout 2, ça vous a donné un petit peu envie, voilà, de connaître un petit peu plus le jeu, ses tenants, ses aboutissants, et à quel point c'est un gros fils de pute. Ah, voilà. Attendant, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, comme d'habitude, énormes bisous et des bisous derrière. D'accord, on fait comme ça. Allez, bisous les gars, ciao.